Test micro, un deux, un deux, un deux. Ok, c'est bon. D'extrêmement important dans le monde scientifique, euh, mais en particulier dans le monde de, de l'astrophysique. Et euh, peut-être juste avant de dire quelques mots sur euh, euh, David Elbaz, je voudrais juste pour euh, ceux qui ne sont pas encore des habitués, mais je pense qu'il y en a un certain nombre qui commencent à l'être, de notre cycle de conférences centrale Casablanca-Institut français. Euh, que nous sommes très heureux de, de, du succès que commencent à avoir, euh, que commencent à avoir nos, nos, nos conférences. Je rappelle simplement que notre but initial en tant qu'école d'ingénieurs généralistes, la première implantée sur le continent africain, nous avons un certain nombre de, de vocations euh, qui sont évidemment de, de former euh, de, de jeunes ingénieurs à être euh, euh, des scientifiques, mais pas que des scientifiques. Euh, de former des cadres d'entreprise, euh, d'être des managers euh, avec une dimension scientifique, managériale importante. Euh, nous avons également euh, des missions en termes de recherche et de, de capacité à, à, à ouvrir le champ de la recherche non seulement de notre pays mais de notre continent, mais également parce que nous pensons que c'est extrêmement important de diffuser la science. Auprès du grand public, quand c'est possible et quand nous en avons euh, la capacité euh, logistique ou quand nous avons l'appétence euh, de, de la part de certains publics. Et nous pensons que nous sommes arrivés à faire aimer les sujets sur lesquels euh, nous sommes, nous, passionnés en tant que, que grande école, mais que nous remarquons passionner également euh, toute une série de personnes qui ne sont pas à, à l'origine des, des scientifiques, mais qui sont passionnées par les grands mystères de l'univers. Et aujourd'hui, je pense que vous allez être gâtés parce que nous avons euh, avec nous Monsieur David Delbaz, qui est astrophysicien. Il est directeur de recherche au commissariat de l'énergie atomique à Saclay. Il dirige le laboratoire cosmologie et évolution des galaxies. Il est conseiller également scientifique auprès de l'Agence spatiale européenne pour la sélection de toutes ses futures missions spatiales. Euh, et dans ce cadre, il participe au comité d'évaluation sur la recherche et l'exploration spatiale pour le Centre national d'études spatiales. Euh, il a écrit énormément d'ouvrages. Il, co... il est auteur et co-auteur euh, de plus de, de 260 ouvrages. Il a été primé euh, par euh, les plus grandes institutions mondiales. Et ce soir, en fait, euh, il va vous parler de l'univers, et, et je ne vais pas en dire plus, simplement que euh, toutes les notions qui nous intriguent, qui nous passionnent, parce qu'on ne sait pas comment ça marche, euh, tous les sujets qui sont autour de l'énergie noire, de la matière noire, des trous noirs, aujourd'hui sont en phase probablement de, de, de grandes révolutions scientifiques. Et euh, donc je vais laisser David. Euh, Expliquer tout ça et répondre bien évidemment à toutes les questions qui se poseront en fin de conférence. Je vous remercie. Merci, merci beaucoup. Euh, vous m'entendez bien Oui. Bon. Donc c'est un vrai plaisir pour moi d'être ici parmi vous. Euh, vous avez peut-être vu que mon nom, euh, Elbaz, euh, c'est un, un nom berbère. En fait, mon père est né à Rabat, donc euh, pas loin d'ici. Euh, donc je suis d'autant plus content d'être parmi vous. Euh... <laughs> Et euh, comme vous l'avez entendu, aujourd'hui, on vit une époque un peu euh, particulière parce que, dès le début, on l'a dit, on est en train de parler euh, de, de, de choses dont on n'est pas trop sûr de savoir exactement ce qu'elles sont matière noire, énergie noire, et même le rôle des trous noirs. Et ce qui est paradoxal, c'est que ces idées-là dominent le discours scientifique et même les missions spatiales qu'on projette pour l'avenir la, avec l'Agence spatiale européenne ou avec la NASA, alors qu'on a exploré l'univers dans toutes les couleurs du spectre électromagnétique à chaque fois qu'on a ajouté une fenêtre sur l'univers. Par exemple, l'infrarouge lointain. On a découvert des composantes nouvelles, par exemple des galaxies qui étaient complètement enfouies dans la poussière, qui, lorsqu'elle est chauffée à 30 degrés au-dessus du zéro absolu, c'est-à-dire moins 270 degrés, on appelle ça chauffer dans l'espace. Quand elle est à cette température-là, de moins 270 degrés, eh bien, elle rayonne dans l'infrarouge lointain, et on a découvert des, des, des galaxies invisibles avant. On a découvert dans le domaine euh, radio euh, des quasars, on a découvert dans le domaine des rayons X du gaz entre les galaxies chauffées à des millions de degrés. À chaque fois qu'on a ouvert une nouvelle fenêtre sur le spectre électromagnétique, à chaque fois on a découvert quelque chose de nouveau. Et puis maintenant, on est au moment qu'on attendait depuis longtemps, c'est-à-dire qu'on a couvert tout le spectre électromagnétique. Donc, on sait tout. Et là, vous savez quand on pousse le yin à son extrême il devient yang les chinois le disent depuis le début donc on aurait dû dire bon, on aurait dû s'y attendre mais comme tous les scientifiques ne sont pas tous taoïstes euh, ils s'y attendaient pas c'est-à-dire qu'au moment où on a cru boucler la boucle eh bien on se retrouve dans une situation où ce qu'on mesure le mieux avec une précision la plus fine c'est notre ignorance alors, c'est une situation qui est un peu inconfortable parce que, euh, bien sûr, vous voyez sur Internet des gens qui sautent sur l'occasion et qui disent bon, alors s'ils si savent rien, ça veut bien dire que moi, ce que je dis, ça vaut pas moins que ce qu'ils disent, donc la Terre est plate, donc etc. etc. En réalité, nous, ce qu'on appelle l'ignorance, et c'est une des raisons pour laquelle je suis ici, c'est de la connaissance. C'est-à-dire que être capable de nommer son ignorance, c'est une un degré supérieur de connaissance. C'est au-dessus du degré qui consiste à dire, voilà ce que je sais. C'est le moment où on commence à en savoir plus. D'ailleurs, moi, quand j'ai été embauché euh, en tant que chercheur, j'étais tellement conscient de mon ignorance que quand on m'a embauché, j'ai eu peur que quelqu'un rentre dans mon bureau en me disant, qu'est-ce que vous faites là Vous allez sortir. Et je serais sorti parce que j'avais honte, jusqu'à ce que je réalise que les autres qui étaient dans les bureaux à côté, ils étaient pareils. Et donc, au bout d'un moment, on mange à la cantine ensemble et on partage notre ignorance et on finit par être chercheur, donc pas trouveur. Et, euh, et donc, le, 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 ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, dans cette situation où il y a une part d'inconnu et dont je veux vous parler, euh, qui, 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 qui est le sujet des discussions de tous les chercheurs, au moment où je vous parle, vous avez des gens au LHC, le Large Hadron Collider, au CERN, à Genève, qui font des collisions de particules et qui comptent leurs particules parce qu'ils se demandent s'il n'y en a pas une qui s'est tirée dans une autre dimension. Il y a des gens qui, pendant que je vous parle, fabriquent des anti-atomes avec des antiprotons et des anti-électrons pour voir si, si je prends un anti-atome et que je le lâche, est-ce qu'il tombe ou est-ce qu'il monte. Euh, il, y a, il y a des trucs de dingue qui sont en train de se passer en ce moment et qui sont autorisés par le fait, justement, qu'on a cette question ouverte. Et contrairement à la prédiction que faisaient certains qui était que la science allait se refermer sur elle-même, et qu'elle était une forme de fermeture face à tout un monde d'une richesse incroyable, en réalité, la science, avec sa capacité de nommer son ignorance, ouvre un champ des possibles énorme. Et bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on va divaguer, mais on ouvre le champ des possibles. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et ça amène à réfléchir. Et le mot réfléchir, ce n'est pas uniquement le fait de penser, c'est aussi un message. C'est qu'en réalité, quand on parle de l'univers, on parle de nous parce que ce qu'on voit de l'univers c'est quelques particules de lumière qui nous arrivent de l'univers et qu'on décode. Et avec ça, on décrit tout ce qui est autour de nous. Mais en réalité, on parle essentiellement de nous, c'est-à-dire de ce que l'on sait, de nos connaissances, de nos théories et notre capacité d'appréhender le monde. Donc, il y a une part dans ce qu'on dit de réflexion comme au sens d'un miroir et c'est pourquoi la question que je pose L'univers est-il une illusion Ne consiste pas à savoir si l'univers est en réalité inexistant et que, comme le disaient, selon la vue de certains, les bouddhistes, finalement, tout est illusion, etc. Non, l'idée, c'est plus de se demander si l'univers tel qu'on se le représente est une illusion. Parce que quand 95% de l'univers serait fait de composantes qu'on ne connaît pas, on est en droit de se dire, peut-être qu'on s'est trompé. Donc quand, quand quelqu'un prend l'autoroute, allume la radio, et en temps, il y a un type qui a pris l'autoroute en sens inverse et qui se dit, c'est pas un, c'est des dizaines il ferait mieux de se demander si c'est pas lui. D'accord. Donc là, on a des dizaines et des dizaines on a 95% de l'univers qui nous échappe. Alors la question maintenant, c'est comment on en est arrivé là Donc ce que je vous propose, c'est je vais d'abord vous dire rapidement comment on en est arrivé là. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont assez informés. Puis maintenant, avec Internet. Euh, donc, je vais essayer de vous faire. Euh, je ne vais pas vous refaire toute une histoire. Et si vous voulez, on en discutera après de comment, historiquement, il y a des tas de trucs rigolos. Je pourrais vous parler de Vesto Sliffer, par exemple, qui est passé à côté du prix Nobel. Vous montrer comment on est tous des génies, mais qu'on peut réussir dans la vie à passer à côté de toutes les idées géniales. Comment euh, on parle souvent des génies, mais il est important de savoir comment on passe à côté d'une idée géniale. Et, et donc. Comment cette histoire, il y a une phase cachée aussi de l'histoire avec laquelle on est arrivé là. Mais là, je vais brièvement vous faire un petit panorama du problème. Et puis, et puis assez rapidement, j'aimerais vous raconter les dernières nouvelles. Ce qui s'est passé, ce qui a été proposé il y a une semaine, ce qui a été proposé il y a trois semaines, quelles sont les dernières idées qui circulent sur le sujet. Et puis, euh, ensuite, euh, on va essayer d'aller un peu plus loin. Alors. Pour commencer, là, je vous montre un tableau d'une peintre coréenne euh, avec qui, d'ailleurs, on travaille sur la lumière et euh, qui me sert d'illustration pour euh, vous rappeler que quand on, on regarde la lumière qui vient de l'univers, eh bien, on a un véritable dialogue avec la lumière, c'est-à-dire que dans un premier temps, on reçoit du rouge et du bleu et on se dit il y a du froid et du chaud. Puis, on réfléchit, on se dit le rouge, ça peut être le décalage vers le rouge, ça peut être un objet qui s'éloigne de nous. Puis on réalise qu'en fait, de la lumière bleue, lorsqu'elle traverse un nuage de poussière, elle devient rouge. Et puis, donc on réalise comme ça qu'il y a tout un vocabulaire à développer pour comprendre ce que la même couleur rouge peut vouloir dire. Et puis, une fois que la, le message est passé, la lumière nous dit, attends, j'en ai plus à te dire. Et elle nous dit, regarde là, dans le rouge, dans le bleu, il y a des trous, il manque quelque chose. Et puis on se rend compte qu'il y a du calcium, il y a du sodium, et qu'il y a les mêmes atomes dans le ciel que sur Terre, et que finalement, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Puis... On, on décode la présence de vibrations, d'oscillations, de molécules qui sont euh, présentes dans l'espace, mais lorsqu'elles changent d'état vibratoire, rayonnent une certaine lumière. Et on découvre qu'il l'équivalent des acides aminés qu'on a dans notre corps, qu'on trouve partout dans l'espace, que de l'eau, il y en a partout. Quand on se demande s'il y a de l'eau sur Mars, la question c'est l'eau liquide, mais de l'eau, il y en a partout. On voit de l'eau jusqu'à il y a un milliard d'années après le Big Bang, c'est-à-dire il, il, il y a presque 13 milliards d'années de nous, et ça fait plus encore d'années-lumière. Et donc, on, on voit toute une richesse grâce à ce dialogue qu'on a avec la lumière et qu'au fur et à mesure, on développe un langage de plus en plus sophistiqué. Et c'est en décodant le langage de la lumière qu'on a réalisé, dans un premier temps, qu'il existait quelque chose, peut-être, dans le ciel, qui n'existe pas sur Terre. Et c'est en étudiant la lumière du Soleil que, en 1868, et c'est juste ce petit rappel historique que je veux faire pour, pour illustrer mon propos, S'est rendu compte que dans la décomposition de la lumière du Soleil, il y avait des raies d'absorption, des zones d'ombre, qui indiquaient les atomes classiques, le calcium, le sodium. Et puis, à 0,58 nanomètres, 0,587 nanomètres plus précisément, il y avait une ride dans la lumière du Soleil dont on n'avait aucune connaissance sur Terre. Il venait de découvrir le premier élément cosmique qui n'existait pas sur Terre. Et comme il l'a vu dans la lumière du Soleil, et que le Soleil s'appelle Hélios en grec, il l'a appelé Hélium. Et 14 ans plus tard, Luigi Palmieri étudiait la réflexion de la lumière qui projetait sur de la lave du volcan Le Vésuve. Et là, il voit 0,587 nanomètres en émission. Cette fois, il retrouve la signature de cet atome sur Terre. L'atome avait été piégé par la lave, il était là. Mais comme il n'interagit pas, c'est un gaz rare l'hélium, il est très difficile à détecter, et on avait pour la première fois utilisé la loupe univers pour voir quelque chose qui était là, autour de nous, mais qu'on ne voyait pas. Et toute l'histoire que je vais vous raconter, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de ce qui est loin, on est comme dans l'histoire du type qui va au bout du monde chercher un trésor pour se rendre compte qu'il était dans son jardin. La matière noire, l'énergie noire, tout ça, c'est ici, dans cette pièce. Mais c'est tellement subtil qu'on n'arrive pas à la voir ici. On fait toutes les expériences possibles, et je vais vous, vous parler de certaines expériences, et on n'y arrive pas. Mais c'est en explorant l'univers sur des distances monstrueuses qu'on commence à voir des effets très subtils qui dévoilent par la dynamique des astres. C'est-à-dire que la surprise est venue du fait qu'après avoir vu toutes les couleurs du spectre électromagnétique, ce n'était pas la nature des objets qui parlait, puisque les composantes dont je parle ne font pas de lumière. C'était leur présence qui s'était révélée trahie par leur influence sur le mouvement des astres. Et c'est de là qu'on a déduit l'existence d'une part beaucoup plus vaste de l'univers que ce qu'on pensait. Vous avez ici un amas de galaxies, et toutes les images jaunes que vous voyez là ont la même couleur parce qu'elles sont à peu près à la même distance de nous. Ces galaxies, en réalité, ne sont pas jaunes, elles sont pour la plupart rouges, mais leur lumière a été décalée. Et euh, elles sont, enfin, d'ailleurs, sont, certaines sont bleues, mais la, la, la lumière a été décalée euh, par euh, la distance de cette, de cette structure. Et cette structure que vous voyez là est un amas d'environ 1000 galaxies. Et ces galaxies ont chacune environ 100 milliards d'étoiles. Alors, l'astrophysicien Fritz Zwicky, euh, c'est un, quelqu'un qui, qui, qui est arrivé aux États-Unis et de Suisse et qui s'est. Intéressé à l'astrophysique sur un défi, parce que son responsable de thèse, qui s'appelait Bob Millikan, à l'époque, lui avait, lui avait lancé un défi et, et qu'il a essayé de relever. Il est, il est parti à la, à la recherche des rayons cosmiques, qui sont des particules qui viennent frapper l'atmosphère et qui ionisent les, at les atomes de l'atmosphère. Vous savez que dans l'air qui est là, il y a des molécules, il y a des atomes, et régulièrement, ces atomes sont cassés et des électrons sont éjectés. Et on s'est longtemps demandé pourquoi. On a pensé que ça venait de la radioactivité naturelle des roches. Puis on a monté des expériences pour mesurer cette, cet effet en altitude, d'abord en haut de la tour Eiffel, puis dans des ballons. Et puis on s'est rendu compte que ça augmentait. Donc ça venait du cosmos. Et euh, Bob Millikan a dit ça c'est la preuve de Dieu qui crée de nouveaux atomes dans le ciel, c'est la preuve de la parole divine en action. Ça avait été repris dans les journaux et Fritz Zwicky qui supportait pas ce discours est allé le voir et lui a dit écoute, euh, euh, moi j'ai lu tout ce que tu as écrit, j'ai écouté toutes tes conférences j'ai jamais rien trouvé d'intéressant. Bob Millikan, c'était un prix Nobel en physique. Et euh, à la suite de ça, l'autre lui a dit Et toi, ben moi, vous me donnez une question, et en deux ans, j'ai une idée géniale. Euh, mais il était un petit peu prétentieux aussi. Et donc, et, euh, au de... donc l'autre lui a dit bah, Vas-y, dis-moi quelle est l'origine des rayons cosmiques. Et Fritz Wiki euh, a inventé l'idée de supernovae, des étoiles qui explosent avec une énergie prodigieuse qui se concentre pour, pour, pour libérer l'énergie gravitationnelle en, en, en se comprimant en étoiles à neutrons. Il a inventé la notion d'étoile à neutrons, puis il a réalisé que ces étoiles explosaient une fois par siècle dans une galaxie. Donc s'il voulait en voir, euh, il fallait voir un grand nombre de galaxies parce qu'il s'est dit les morts d'étoiles, les explosions d'étoiles doivent être les armes qui projettent vers nous des atomes à des vitesses prodigieuses et c'est eux qui viennent casser les atomes dans l'air. Donc, pendant que je vous parle, arrivent des atomes à des vitesses très grandes, qu'on appelle des rayons cosmiques, qui sont accélérés lors de morts d'étoiles et qui viennent casser les atomes de l'air. Ça se passe au moment où je vous parle. Et lui, il a voulu tester ça. Et donc, il a observé un amas de galaxies comme ça. Et puis, il s'est rendu compte que les galaxies étaient toutes concentrées dans une même région du ciel. Donc, elles étaient soudées par la gravité. Et il a mesuré le nombre de galaxies qu'il y avait. Et puis, il a calculé la masse des galaxies en regardant quelle quantité de lumière venait d'une galaxie. Et on sait que chaque étoile fait une certaine quantité de lumière. Donc, il en a déduit la masse d'étoiles dans les galaxies. Et il a compté combien il y avait de masse là-dedans. Et il a, ça lui a donné un certain nombre. Et puis, après, il a vu que les galaxies se déplaçaient avec une certaine vitesse. Et elles se déplaçaient à près de 4 millions de kilomètres-heure. Les galaxies que vous voyez ici, celles-là, par rapport à celle-là, se déplace à 4 millions de kilomètres-heure. Et à 4 millions de kilomètres-heure, normalement, elle devrait se séparer. Parce que 4 millions de kilomètres-heure, c'est rapide. Et malgré tout, on observe cette concentration de galaxies. Elle n'a pas pu se faire juste au moment où lui a pointé sa caméra vers cette région du ciel. Donc si on suppose que cette concentration de galaxies n'est pas un hasard lié au moment où on a regardé, c'est qu'elle est soudée par la gravité, mais qu'il y a beaucoup plus de gravité. Que la masse contenue dans la région qu'on peut voir et qui fait de la lumière. Et il en a déduit qu'il existait plus de masse pour maintenir des galaxies ensemble, de sorte à ce que lorsque celle-ci se déplace à 4 millions de kilomètres par rapport à celle-là, au lieu de partir, elle va faire un tour, et elle va rester, elle va revenir, elle va bouger là-dedans, mais elle ne va pas partir. Parce que qu'elle est attirée, mais par de la masse qu'on ne voit pas. Donc il a appelé ça Dunkle Materie, ça veut dire matière noire en allemand. Là, c'était la première fois en 1933 que quelqu'un parlait de matière noire. Ensuite, on, on s'est rendu compte que bien plus tard, mais là je vous fais très rapidement l'histoire pour, pour, pour arriver au fait, que dans ces images-là, alors celle-ci c'est une image du télescope spatial Hubble, donc qui est beaucoup plus belle que ce que lui avait pu voir, il y a des serpents cosmiques comme celui-là. Et comme on suppose qu'il n'y a pas de serpent dans l'univers que vous voyez ici, eh bien c'est une autre forme d'illusion. Vous avez l'illusion qu'il y a un serpent. En réalité, vous avez une galaxie. Vous voyez la galaxie là C'est une galaxie normale. Et regardez la couleur de la lumière qui est là. C'est la même couleur que celle-là. Mais tout à l'heure, quand on a préparé le projecteur, on a joué avec l'extension de l'image. On peut l'étendre comme ça. Eh bien, pareil, ici, si vous concentrez l'image, la lumière qui est là, si vous la concentrez un peu plus, vous allez finir par retrouver celle-là. En réalité, vous avez ici quatre images de cette galaxie-là. Ce sont des fantômes gravitationnels ce qu'on appelle des lentilles gravitationnelles, c'est une, une image qui vient du fait que derrière cette masse énorme se trouve une galaxie dont l'image est complètement déformée par la déformation de l'espace-temps prévue par Albert Einstein. Quand on a posé la question à Albert Einstein en lui disant « Dis-moi, tu dis que l'espace peut se courber, donc on devrait voir des images déformées », il a dit non, parce que lui il croyait qu'il n'y avait que des étoiles dans l'univers, il croyait qu'on était limité à notre galaxie, la Voie lactée, et il a dit « ça sera indétectable ». Il a fait le calcul, mais il ne savait pas qu'il pouvait exister d'autres univers, qu'on appelle d'autres galaxies, situées de très grandes distances, qui sont prodigieusement lumineuses. Une galaxie comme ça, euh, ça fait une lumière qui est équivalente à euh, 50 milliards de fois la lumière du Soleil. Donc, c'est pas une étoile, c'est 50 milliards d'étoiles. Et donc là, vous commencez à avoir l'effet. Et en plus, elle est, elle est, elle est étalée, c'est pas un petit point. Elle a une certaine extension. Et donc, voilà alors, vous allez me dire, mais ça, c est, c est, ça, a été, ça a dû être une découverte euh, surprenante. Eh bien, la première fois qu'on a vu quelque chose comme ça, les astronomes qui l'ont vu n'y ont pas cru. Ils se sont dit, ça doit être des, des bouts de lumière qui sont côte à côte, ce n'était pas aussi net que ça. Et puis, un de mes collègues, qui s'appelle Yannick Mélier, avait lu un article de Fritz Zwicky en 1937, quatre ans après celui de 1933. Et là, il dit, bon, bah, maintenant, puisqu'il y a de la matière noire, puisque je suis d'accord avec moi-même, il était tout seul, puisque personne n'y croyait. Euh, ben moi je vais vous dire comment on va faire pour mesurer les masses mieux que personne. Eh bien, euh, comme il y a des galaxies dans l'univers, comme la matière noire, ça va faire des lentilles gravitationnelles qui vont déformer la forme des galaxies. Et ça va être la meilleure méthode pour mesurer la masse dans l'univers. Il l'a prévu en 1937. La première observation d'une déformation comme ça d'une galaxie a eu lieu en 1986, 50 ans après. Et puis maintenant, on étudie ça tous les jours et on a un satellite qui va être lancé en 2022, qui s'appelle Euclide, qui a pour objectif d'étudier toutes ces déformations de l'espace-temps pour cartographier la matière noire dans l'univers. Mais ça a été aussi prédit par, par Zwicky. Donc voilà, avec cette, cette forme-là, vous pouvez vous demander de combien est courbé l'espace, calculer la quantité de matière qu'il y a là-dedans, et puis vous allez trouver qu'il faut six fois plus de masse que toute la matière lumineuse. Dans l'univers, il y a six fois plus de masse que tout ce qu'on voit de matière lumineuse. En réalité, de même de matière classique, je devrais dire parce que toute la matière classique n'est pas sous la forme d'étoiles. Dernier élément, quand on regarde une galaxie comme celle-ci qui est notre voisine la galaxie d'Andromède, eh bien euh, les étoiles tournent autour du centre. Alors quand on voit des bras spiraux, c'est des vagues qui passent, mais en réalité les étoiles effectuent des ellipses, un peu comme le, la Terre autour du Soleil. Donc elles tournent là-dedans. Et puis, euh, au début des années 70, on a inventé des, un spectrographe tellement euh, beaucoup plus sensible que les autres, qui a permis à euh, Vera Rubin de mesurer les mouvements du gaz ionisé, comme le gaz sur Terre, mais cette fois par la lumière des étoiles, au bord de la galaxie d'Andromède. Et elle a vu que les étoiles et ce gaz tournaient beaucoup plus vite que ce que la quantité de matière qui était contenue dans la galaxie, de par sa lumière, permettait. Euh, Vera Rubin était, dans les années 70, une des seules femmes astronomes. Quand elle a voulu aller au télescope, on lui a dit, Madame, euh, vous ne pouvez pas y aller. Elle leur a dit, Pourquoi Parce que je suis une femme Non, non, pas parce que vous êtes une femme, mais disons qu'il n'y a pas de toilette pour les femmes euh, dans le télescope. Et puis, il n'y a pas de douche. Et les femmes aiment bien se laver tout le temps. Euh, et, et, et donc elle a dit bah, écoutez je ne me laverai pas et puis, euh, et puis euh, les trois de gauche ça sera les miennes et, et euh, elle est allée observer et, et, et donc ça a été très difficile et malgré tout elle a, vu, elle a vu les étoiles tourner beaucoup plus vite que ce qui était prévu alors si vous lisez les articles scientifiques vous écoutez la presse euh, à la radio ou partout on dit donc elle a découvert la, la preuve qui a convaincu tout le monde de l'existence de la matière noire il faut quand même savoir que dans aucun des articles qu'elle a écrit Vera Rubin elle n'a jamais parlé de matière noire elle a vu que ça tournait plus vite, mais elle, elle n'y croyait pas à cette idée-là. Elle se disait ça, ça doit s'expliquer d'une manière ou d'une autre. Elle refusait l'idée d'invoquer une autre forme de matière. Donc elle n'a jamais écrit ça dans un article, elle n'a jamais poussé ça en avant, elle était pour autre chose. La conclusion de ces expériences-là, c'est que l'univers contient ou contiendrait six fois plus de matière noire que de matière normale. Alors maintenant, comment on va comprendre de quoi est faite la matière noire eh bien, on va utiliser la technique du fou qui cherche sa clé. Alors, je peux la raconter ici cette technique parce que moi, je travaille à sa clé. Et quand je parle du fou, du fou qui cherche sa clé, les gens ils me disent oui, je sais, j'ai du mal à venir. C'est pas sur la carte. Et en fait, je voulais dire sa clé. Mais euh, donc ici, je peux la raconter. Euh, et donc, vous avez ici euh, un lampadaire. Et pour, pour ceux qui connaissent l'histoire, euh, et ceux qui ne la connaissent pas, tant pis, mais je rappelle à ceux qui connaissent, euh, euh, qu'un un type voit un fou, enfin, voit quelqu'un qui cherche quelque chose, il lui demande « qu'est-ce que vous faites ?» et bien, il dit « je cherche ma clé ». Et il la cherche là. Alors il dit « mais vous l'avez perdue là, juste sous le lampadaire ?»« Ah non, non, pas du tout, non. Bah, »« Alors pourquoi vous regardez là bah, ?»« C'est là qu'il y a de la lumière. » Et, et alors, alors, quand on dit ça avec un type qui cherche sa clé, ça fait rigoler, mais nous, bah, on fait exactement ça. Alors, de deux manières. La première manière, c'est que les phares dans l'univers, c'est ce qu'on appelle des quasars. C'est des sources de lumière qui font à peu près 100, milliards, euh, 100 à 1000 milliards de fois la lumière du Soleil. Et c'est des petits points de lumière qui sont très puissants. Et donc, quand ils traversent l'espace, s'ils traversent de la matière, ça va absorber une partie de leur lumière. Or, en plus de la matière noire et l'énergie noire, 90% de la matière classique dont on sait qu'elle existe 90% ne fait pas de lumière. Donc là, les étoiles, c'est seulement 10% de la matière classique mais 90% est noire. Donc en fait, c'est 99,5% de l'univers qui nous échappe. Donc on cherche à voir la matière manquante normale et pour ça, on utilise les quasars et on regarde au passage de la lumière du quasar si une partie est absorbée par des nuages qui n'ont pas encore fait d'étoiles, qui vont faire une galaxie mais qui l'ont pas encore fait, ça nous permettra de voir cette matière-là. Ça, c'est une première raison. Et la deuxième méthode euh, qui, qui correspond à ça, c'est que maintenant, quand on cherche la matière noire, bah, comme on ne sait pas comment chercher, on, on, on part de nos a priori théoriques. On se dit, si la matière noire était de ce type-là, alors elle se comporterait de cette manière-là. Et à ce moment-là, avec tel détecteur, on pourrait la voir. Donc c'est la technique du fou. Bon, ce n'est pas comme ça que mes collègues le vendent. Hein. Mes collègues vous disent, on a la meilleure manip pour détecter la matière noire. A aucun moment, ils vont vous dire en supposant qu'elle est sous le lampadaire. D'accord. Mais c'est pourtant comme ça. Alors, maintenant, je me permets de parler du lampadaire parce que comme elles ont toutes échoué, euh, il va bien falloir se demander pourquoi on a regardé sous le lampadaire. Alors, une des techniques, c'est les collisions d'atomes. Vous savez que toute particule peut naître du vide quantique. Les particules, au début de l'univers, c'était une boule d'énergie. Puis ça s'est décomposé, ça a fait des grumeaux de condensation de ce truc-là, ça s'appelle des particules. Et les particules d'énergie noire, de matière noire pardon, ne, ne sont pas différentes des quarks ou des électrons, elles ont dû euh, émerger du vide. Donc si on fait collisionner des particules suffisamment avec suffisamment d'énergie, comme E égale MC2, de l'énergie va se transformer en masse. Il faut assez d'énergie. pour faire émerger euh, les, les particules. Donc si vous avez un million d'électrons-volts, vous faites un électron et un positron. Après, il faut plus et plus et plus, d'accord. Donc maintenant, euh, euh, on, on arrive à de très hautes énergies avec le, le Large Hadron Collider, et puis on fait émerger des particules et on cherche à voir si celles qu'on attendait euh, émergent. Par exemple, la théorie des cordes, c'est une théorie qui permettrait de concilier la mécanique quantique et la relativité d'Einstein. C'est le défi qui avait été nommé au début du XXe siècle, qui continue d'exister aujourd'hui. En clair, c'est la tension entre les deux infinis, l'infiniment grand. Est décrit par la relativité d'Einstein, l'infiniment petit par la mécanique quantique, mais on n'arrive pas à concilier ces deux théories. La théorie des cordes serait une des théories qui permettrait de faire ça, avec un prix très cher. Ce prix très cher, c'est que cette théorie des cordes est née du fait que lorsque vous regardez ce qui se passe dans un proton, eh bien, il y a trois quarks dedans, et quand on sépare un quark de l'autre, il est tiré comme par un élastique. Il repart. Et donc on s'est dit Ah, oh, c'est comme une petite corde. Mais ça, ça s'appliquait à, à, au gluon qui, qui relie les deux quarks. Et donc la théorie des cordes s'appliquait à des particules qui sont entre les particules de matière. Et après on s'est dit, mais si ça, ça marchait pour les particules de matière Pour ça, il faut invoquer une théorie qui s'appelle la théorie de la supersymétrie, qui dit que pour tout gluon, pour tout fermion, on, pour tout boson, on associe a un fermion. En d'autres termes, il faut une théorie pour que ça marche pour les quarks et donc les protons et les neutrons. Et cette supersymétrie, elle suppose l'existence de super partenaires à toutes les particules, des grosses part... Alors c'est ça au début. Puis après, on s'est rendu compte que s'ils existaient, on les aurait vus. Donc, comme on ne les a pas vus, il faut que cette symétrie soit brisée. Et ça, en physique des particules, on ne fait que ça, de briser les symétries. Et, 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 et on se dit bah, ces partenaires, si on ne les a pas vus, c'est qu'ils sont peut-être beaucoup plus gros. Alors vous allez me dire, plus c'est gros, moins on le voit, ça ne va pas votre truc. Ben, si, parce que en fait, si c'est tellement gros qu'il faut beaucoup d'énergie dans la collision pour qu'il apparaisse, ben, peut-être qu'on n'est pas allé assez loin. Et donc, on, on s'attendait à, à, à ce, que, ce que ça commence à émerger avec les expériences du LHC qui ont permis de voir le boson de Higgs. Et on s'attendait à ce qu'on puisse voir émerger euh, le neutralino, qui était le meilleur candidat. Puis il n'a pas émergé. Et là, même si on peut encore s'en sortir, dans le monde de la physique des particules, dans le monde des théoriciens des cordes, c'est la déprime. Disons qu'ils euh, sont, ils sont déprimés, pour rester polis. Et même s'ils vous disent, euh, mais non, euh, on va s'en sortir. Et quand quelqu'un vous dit ça, c'est qu'il est vraiment profondément déprimé. Euh, surtout quand vous faites le calcul et qu'il faudrait un accélérateur de particules de la taille de la voie lactée pour aller voir les autres trucs, donc ça, ça commence à faire cher en période de crise. Ça, c'est une méthode. L'autre méthode, c'est la technique euh, du type qui prend sa voiture, qui va à fond et qui se dit euh, combien il y a de moustiques par centimètre carré dans l'air. Alors, plutôt que de calculer les moustiques, en plus ça pique, il prend sa voiture, il fonce et puis il roule pendant 100 km. Il connaît la surface de son pare-brise, il connaît la distance qu'il a parcourue puis il va calculer le nombre de moustiques. Donc voilà. Ça, c'est une méthode qu'on qu fait tous et avec un peu d'essuie-glace, on s'en sort. Mais on, on, on voit qu'il y a des moustiques. Maintenant, c'est exactement ce que font euh, les autres, c'est qu'ils se disent si la matière noire était un moustique, alors on appelle ça un WIMP, Weakly Interactive Massive Particle, c'est un gros truc un peu comme les particules supersymétriques dont je parlais tout à l'heure. Eh ben, si on était dans un super qui va super vite, on en aurait sur le pare-brise. Or, coup de peau, on a un super qui va super vite, c'est la Terre. Parce que la Terre, euh, elle tourne autour du Soleil et avec le Soleil, elle tourne autour de la Voie lactée. Elle tourne autour de la Voie lactée avec le Soleil à 220 km par seconde, et elle tourne autour du Soleil à 30 km par seconde. Alors là, c'est extraordinaire parce que ça veut dire que vous avez une espèce de nuage de, de matière noire dans lequel on se déplace, et on se déplace dans ce nuage comme ça, et puis de temps en temps, paf, ça cogne. Enfin, s'il si, existe ce nuage. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on met des, des, des réservoirs sous terre pour ne pas être pollués par la radioactivité naturelle et autres. Et puis on attend les moustiques. Alors la méthode, c'est simple, c'est que vous avez un cristal où vous avez un gaz rare, avec des atomes qui ont une certaine disposition. Et puis s'il y a une particule de matière qu'on ne voyez pas qui arrive et qu'elle a une probabilité de se cogner contre les particules, elle va se cogner et puis elle va, elle va dé, 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 déranger les autres. Et ce faisant, une petite quantité d'énergie va être libérée. Si vous mettez un gaz autour qui peut scintiller, ça va faire de la lumière, ou bien ça va chauffer un petit peu. Et on appelle ça des détecteurs directs, parce qu'il y a une collision directe. Ça, c'est la technique du. Il y a un homme invisible ici, je prends une balle de tennis, je la jette, et si ça fait aïe et que ça rebondit, bah, c'est la technique sophistiquée des physiciens des particules. D'accord euh, Donc, c'est la technique du. J'ai beaucoup réfléchi. Euh, euh, alors, après, bien sûr, il faut mettre des grosses quantités de matière, et vous avez des types qui ont fait de longues études et qui qui descendent au fond d'un tunnel et qui attendent. Euh, c'est pas mieux que mes collègues qui ont travaillé sur les ondes gravitationnelles, c'est extraordinaire, mais le type a passé toute sa vie à faire des câbles pour tenir des miroirs stables et il a passé sa vie, enfin il a passé 25 ans de sa vie à faire deux câbles qui tenaient un miroir comme ça pour voir les ondes gravitationnelles, mais bon et donc voilà, donc, au fond, nous, quand on vous parle, on vous dit des trucs géniaux, puis on résume les travaux des uns et des autres, puis après, vous demandez à chacun, et le type dit Moi, je fais, je fais deux câbles, en fait, qui tiennent un miroir, et c'est super stable. Et j'ai essayé des câbles de ce type-là, c'était moins bien. Et ceux-là, ça, ça fait 15 ans que j'ai essayé ceux-là, mais il m'a fallu 10 ans pour les tester et les calibrer. Et puis après, les 5 dernières années, on s'est planté, parce que le, celui qui produisait ça, en fait, il ne le fait plus. Et on est passé après, par... et puis voilà. Mais ça, c'était 25 dernières années. Et la question que je lui posais, posée, c'est pas Est ce que tu as déprimé un jour, c'est combien de fois as-tu déprimé Et là elle me dit bah, tous les. Euh, il, il a tout de suite répondu. Et, et donc c'est pas je vais conclure par euh, euh, Il faut faire de la, de la science, etc. Mais là on passe par des moments de déprime. Et, do, et donc là le moment de déprime c'est que vous mettez une tonne de matière ou autre, il ne voyez rien. Sauf une équipe italienne qui a découvert la matière noire il y a 20 ans. Donc cette équipe italienne a dit la chose suivante, voilà, parce qu'en fait, si la Terre se déplace autour du centre de la Voie lactée, elle, elle tourne aussi autour du Soleil. Donc maintenant, il faut juste réfléchir, c'est le seul moment où il faut réfléchir dans ce que je dis. Donc la Terre tourne autour du Soleil, et puis l'autre tourne ensemble. Donc ça fait un mouvement un peu compliqué. Mais croyez-moi, le 2 juin de chaque année, en fait, la Terre se déplace par rapport au Soleil dans le même sens que l'ensemble se déplace par rapport au centre de la Voie lactée. Ce qui fait que les deux vitesses s'additionnent. Au lieu d'être 220, ça fait 250 parce que c'est plus 30. Et puis début décembre, c'est dans l'autre sens. Donc ça fait 190 au lieu de 220. Donc imaginez maintenant que vous êtes dans votre voiture. Si vous roulez à 200 à l'heure, vous, vous frappez plus de moustiques pour une même distance que, que, que si, si, si vous roulez à, à 10 à l'heure. C'est une plus grande énergie, etc. Et donc les collisions aussi vont être plus énergétiques, vous les verrez. Sinon le moustique, pouf, il, il s'en va, il, il repart. Et donc bah là, c'est pareil, la matière noire, elle repart. Mais si vous la cognez bien, là, elle fait un truc, elle fait des scintillations. Donc c'est donc ça la différence. Et, et donc on s'attend à ce qu'il y ait une modulation des collisions début juin et décembre. Et, dé et, dé et là, sur des années, voilà ce qu'ils ont vu. Ils ont dit, ça, c'est la matière noire. Ces pics, ça tombe le 2 juin 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Ils ont vu la matière noire. Selon eux. Alors, bien sûr, pour arriver à ce signal-là, il a fallu enlever tout un tas de sources de bruit qui viennent de radioactivité naturelle, etc. Le problème, c'est que le 2 juin, bah, la température des roches est aussi un petit peu différente. On s'est rendu compte qu'il y avait un peu plus de radon il, il y avait des tas de choses qui étaient un peu plus compliquées. Et donc, il y a d'autres possibilités que la matière noire pour faire ça. Il faut tester ça. Donc, les. Mes collègues ont demandé aux gens qui ont fait ça, l'équipe qui s'appelle Dama Libra, qui sont à 1,4 km sous terre dans le tunnel du Grand Sasso en Italie, ils leur ont dit voilà, donnez-nous vos données, puisque ces données, c'est données. Et les autres leur ont dit reprendre. Et donc, ils ont dit donnez-nous vos données, ou prêtez-nous vos données, puisque un donné. Enfin, peu importe, c'était en italien. Et donc, ils ont dit de toute façon, ils ont dit non. <laughs> parce que c'est parce que à nous. Et, et euh, ils ont dit, parce que de toute façon, c'est tellement compliqué d'analyser toutes les sources de bruit, etc., que bon nous, on a, on a fait un travail de fou furieux et je vous le conseille pas. Enfin, bon. Donc ils ont refusé. Donc per personne, du coup, a cru à la détection, mais malgré tout, il y a un doute. Donc on a créé une nouvelle expérience qui s'appelle Sabre pour refaire la même chose qu'eux. Alors, avec le même atout. Alors, eux, ce qu'ils disent, c'est que. Ce qu'il faudrait que j'ajoute quelque chose, c'est que depuis, il y a eu d'autres expériences qui ont été faites qui, vont 10 000 fois plus, qui sont dix mille fois plus sensibles. Donc euh, eux, ils ne euh, verraient même pas une collision avec un moustique, ils verraient une collision avec une bactérie. Donc eux, ils ont la capacité de voir, si le pare-brise se cogne avec une bactérie, et ils ne voient pas un moustique. Donc ils leur disent, écoutez, on est désolé, mais nous, ça serait une bactérie, on l'aurait vu et vous, vous voyez des moustiques, euh, c est, c est, ça ne va pas. Et donc, euh, malgré tout, les autres disent, oui, mais nous, on a un parois différent. Il est fait en iodure de sodium. Les autres disent, bah, pourquoi le iodure de sodium aurait une structure particulière qui aurait une affinité pour la matière noire Les ils ont dit, non, on ne sait pas. C'est la matière noire, vous savez qu'est-ce que c'est Non, ben bah, voilà. C'est quelque chose qui a une affinité particulière pour iodure de sodium, qui est notre cristal. Et il se trouve qu'on est les seuls à savoir faire ce cristal. Coup de peau. Alors, depuis, on a réussi à faire ce même cristal, et donc on en met dans le tunnel de Grande Sasso et puis un autre en Australie, et les expériences vont avoir lieu maintenant, dans, dans les années qui viennent, pour refaire la même expérience et pour voir s'ils ont raison ou pas. S'ils ont raison, ça fait 20 ans qu'on vous baratine avec un truc qu'on a résolu depuis longtemps. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'on sait ce que c'est, parce que ça veut juste dire que, que ça existe, mais au moins ça existe. Et s'ils ont tort, eh ben, c'est qu'on avait tous raison, qu'ils avaient, eux, tort. Voilà, et qui rendent, voilà, ce qui est, ce qui est pas eux. Et, et alors, euh, ça n'a pas empêché qu'il y a quelques jours, il y a eu un article euh, qui a annoncé, dans la presse, on en a beaucoup parlé, qu'on qu qu allait avoir un ouragan de matière noire. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans la presse, un ouragan de matière noire. En fait, ça veut juste dire que quand on a cartographié avec un satellite qui s'appelle Gaia, la distribution d'étoiles dans la Voie Lactée avec une précision extraordinaire, euh, eh bien, on s'est rendu compte qu'il y avait une surdensité d'étoiles dans une région qui viennent d'une galaxie naine qu'on a mangée. Parce que les galaxies s'entrebouffent. Et, et, et en passant là-dedans, bah on se rend compte que s'il y avait de la matière noire dans cette galaxie naine, eh ben on, on, on traverse cette région-là et on devrait avoir beaucoup plus de collisions. Donc c'est l'équivalent non plus d'un vent, mais d'un ouragan. Donc ils ont écrit un article on, 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 a, on, on, va, on va traverser un ouragan de, de matière noire. Sauf que s'il n'y si a pas de particules de matière noire, euh, on ne verra rien. Alors après, il y en a d'autres qui ont dit ça, c'est arrivé il y a quelques jours. Ils ont dit, ah ben, attendez, euh, plus, bon, on ne voit peut-être rien quand il y a la collision, mais s'il y a eu des collisions dans le passé, ça va faire reculer les atomes, et on devrait voir des traces de ce recul d'atomes dans, 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 dans la matière. Et donc ils ont dit, on va utiliser des forages pétroliers, au fond desquels il y a des roches qui sont vieilles de 500 millions d'années, et on devrait être capable de voir la trace de collision avec de la matière noire. Alors ils appellent ça des paléodétecteurs on prend des roches du paléolithique, il suffit d'aller dans un, dans un forage pétrolier, on prend ces roches-là et on regarde sa structure cristalline, et puis si la structure cristalline ressemble à ça plutôt qu'à ça, on se dit, il bah, y a eu un truc. Et on en déduit que c'est de la matière noire. Sauf que ça peut aussi être de la radioactivité, donc c'est compliqué. Alors c'est une idée qui n'est pas mauvaise, mais c'est compliqué. Donc pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est. Et puis, il y a eu la détection d'ondes gravitationnelles venant de la fusion de deux trous noirs d'environ 30 fois la masse du Soleil, qui sont venus nous étonner. D'une part parce que lorsque cette fusion a eu lieu, on a reçu une déformation de l'espace qui est arrivée sur Terre, qui a été mesurée, qui avait été prévue par Einstein, et ça a été vraiment une grande découverte qui a, qui a, qui a, qui a conduit à un prix Nobel. Et vous voyez la fin, là, ce qui vient de se passer à la fin, quand ça se relaxe, ça fait le trou noir, et eh bien cette signature-là, c'est une signature typique de d'un trou noir. Eh bien, euh, ces trous noirs de 30 masses solaires, on ne savait pas qu'ils existaient. Or, jusque-là, on n'avait pas testé la possibilité que la matière noire soit en fait faite de trous noirs qui auraient 30 fois la masse du Soleil, qui seraient nés aux premiers instants de l'histoire de l'univers. Si, pendant la première fraction d'histoire de l'univers, étaient nés des trous noirs de 30 fois la masse du Soleil. Et qu'ils étaient un peu partout dans l'univers, ben ça pourrait faire la matière noire. On avait testé en dessous de 10 fois la masse du Soleil, parce que ça voudrait dire qu'il y en aurait tellement que quand ils passent devant une étoile, ça, ça changerait la lumière d'une étoile, et on, on avait des expériences pour tester ça. Mais 30 fois la masse de, du Soleil, ben ça on ne l'avait jamais testé. Et donc, une ribambelle d'articles sont sortis pour dire voilà, la matière noire est faite de trous noirs qui sont ceux qu'on a vus dans les ondes gravitationnelles. Ça, c'était bon jusqu'à il y a quelques jours, où un article est sorti enfin, le 1er octobre 2018 qui avait dit Non, les gars, parce que si c'était vrai, il y en aurait tellement qu'à chaque fois qu'on voit une explosion d'étoiles, il y en en voit plein dans le ciel il y aurait une probabilité non nulle que de temps en temps, il y ait un trou noir qui passe devant. Parce que la matière noire, il y en a partout. Et, et, et si un trou noir passe devant, comme vous avez vu, ça déforme l'espace autour ça déformerait la lumière. De cette explosion d'étoiles. Or, on connaît parfaitement la lumière des explosions d'étoiles, donc c'est pas possible. Et donc, bon, cette, cette idée-là ne marche plus. Bon, alors qu'est-ce qui reste Il n'y a pas de matière noire Posons-nous la question, où est-ce qu'il faut viser Alors, en 1920 est prédit l'existence du neutron. Et pendant 12 ans, on aurait pu dire le neutron n'existe pas. En 1932, il a été détecté, il se passait 12 ans. Puis. Le neutrino a été détecté 26 ans après avoir été prédit. Pendant 26 ans, on aurait pu dire qu'il n'existe pas, mais il a été détecté. Puis, on a détecté le boson de Higgs par Englert, Brout et Higgs, qui a été prédit en 1962, qui a été détecté en 2012, 50 ans après. À chaque fois, ça a mis du temps. Et vous avez vu, à chaque fois, ça met deux fois plus de temps. Alors donc, la matière noire. Qui a été prédit en, en, en 1933 sera détecté en 2033, donc 100 ans après, le 14 février 2033. Et c'est fini. Ça, c'est de la logique mathématique, hein. c'est imparable, et je peux le prouver. Et on peut même calculer la dispersion, on peut faire un calcul. D'un point de vue scientifique, c'est imparable. C'est complètement faux, mais c'est scientifique. On va dire que c'est mathématique, c'est pas physique. Euh... Bon. Donc la, 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 là, ça veut, ça, veut, ça veut simplement dire qu'on ne peut pas encore dire que la matière noire n'existe pas. Mais ce qui, ce qui a transformé un peu la situation, c'est quand euh, en, en 1998 et 1999 ont été publiés des articles qui, qui, qui sont venus encore plus chambouler l'histoire. Quand un couple d'étoiles. Euh, vous savez que la, plus de la moitié des étoiles vivent en couple. Plus de la moitié des étoiles vivent en couple ne sont pas mariés, mais elles vivent en couple. Et, et, euh, et, et comme tous les couples, il euh, y en a qui, qui, qui tournent mal. Et, et alors, ça tourne mal euh, souvent parce qu'il y en a un qui bouffe l'autre, qui a une personnalité plus. Ça peut être l'homme ou la femme, chez les étoiles, on ne sait pas trop. Hein. Mais. mais euh, et, et, c'est peut-être d'ailleurs des homosexuels, je ne sais pas. Mais. mais <laughs> d'ailleurs, certains. Mais bon, ça, c'est un autre sujet, on ne va pas rentrer là-dedans. Hein. Euh. N'empêche que ça, ça, ça finit mal. Et, et euh, pourquoi Parce qu'elle bouffe et au bout d'un moment, elle, elle en peut plus, et elle explose. Euh, et et, et, et c'est comme ça. Le truc, c'est que quand elle explose, elle explose toujours avec la même quantité de lumière. Et alors ça, c'est vachement pratique parce que si vous savez que la, la lumière qui est rayonnée est exactement une certaine quantité, alors s'il y en a une qui est quatre fois plus faible qu'une autre, c'est qu'elle est deux fois plus loin. Et donc on peut calculer les distances, on peut arpenter l'univers. Et en faisant ça, on a comparé ça avec les distances qu'on connaissait et puis la vitesse d'expansion de l'univers, etc. Et puis on s'est rendu compte qu'une supernova qui est là, qui a fait un petit point de lumière comme ça, qui est presque aussi lumineuse que toute la galaxie, parce qu'en en, 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 pendant quelques jours elle fait un milliard de la lumière d'un milliard de soleil et euh, elle était 30%, plus faible, 30 plus faible, que ce qu'elle aurait dû être quand on prend la distance qu'on pensait être la distance de la galaxie. 30% plus faible, 30% c'est faible. Eh bien, ces seuls 30% impliquent que la distance doit être un peu plus grande et que donc on a dû s'éloigner un peu plus de cette galaxie-là au cours de l'expansion de l'univers, puisque la lumière a mis du temps à nous arriver. On s'éloigne un peu plus que ce qu'on pensait. Et ce un peu plus, quand on compare les différentes distances comme ça, n'a cessé d'augmenter depuis 6,5 milliards d'années. L'univers s'étend de plus en plus vite. Alors là, là, c'est la merde, parce que déjà on avait la matière noire, mais là, là, on est face à un système qui est vous avez un ballon de foot, vous chutez dedans, paf, le ballon monte et il redescend, ça c'est ce qui se passe normalement. Mais ce qu'on a vu avec la supernova, c'est vous avez le ballon de foot, vous chutez dedans, le ballon monte, redescend et repart vers le ciel. Et le jour où ça vous arrivera, je vous promets que vous poserez des questions. Et, et c'est exactement ça que dit cette supernova. Elle dit que l'univers a eu un Big Bang, les galaxies ont commencé à s'éloigner les unes des autres. Sous l'effet de la gravité, elles se sont attirées, l'expansion a ralenti, comme il se doit pour un ballon qui, qui redescend. Le ballon est attiré par la Terre, les galaxies s'attirent les unes les autres, ça a ralenti. Et il y a 6,5 milliards d'années, ça a réaccéléré. Et là. Le type qui a vu ça, Adam Ries, quand il a envoyé le message à ses collègues, parce qu'il y avait juste 30% et voyait la conséquence, il leur a dit Bon, alors attendez, euh, quand vous allez lire ce qui va suivre, ne croyez pas ce que votre cœur et votre raison voient, mais ce que vos yeux voient. Il n'a pas trop confiance dans les copains. Et il en dit euh, Abandonnez tous vos préjugés. Vous allez avoir un, un obstacle épistémologique, comme disait Gaston Bachelard, c'est-à-dire que vous allez ne pas voir ce que vous n'attendez pas. S'il y avait ici un extraterrestre avec une forme bizarre et que personne d'entre nous croit aux extraterrestres, eh ben on ne le verrait pas. Il y a un extraterrestre. Non, non, mais, mais, mais si par exemple cet extraterrestre il avait la forme d'une table, ben vous diriez c'est une table. Mais la table qu'elle a tout à l'heure, en fait, c'est pas une table. Et donc et vous allez me dire, mais attendez, je sais très bien que c'est une table, je vois une ligne horizontale, une ligne verticale, c'est une table. Ben, je suis désolé, mais une ligne horizontale et une verticale, c'est pas grand-chose quand même. Enfin, Si vous voyez une table, c'est pour 95%, c'est vous qui projetez. Ça, L'étude du cerveau le montre. Ce que vous recevez, c'est quelques pourcents de l'information. Le 95% aussi dans ce que vous voyez, c'est de la projection qui vient de vos propres théories qui disent dans ce monde-là, il y a des tables Et les tables, quand on les lâche, elles tombent par terre. Et, puis elles, voilà. et donc vous voyez des tables. Mais ça, c'est normal parce que vous vivez dans un monde de tables. Mais si vous habitiez dans un monde différent, ça ne serait pas normal. Et là, à ce moment-là, ça deviendrait bizarre. Et donc, bah là, il a vu un truc bizarre, et ça change tout. Donc, ils ont eu le prix Nobel pour ça, pour avoir vu un truc qu'ils ne comprenaient pas. Et si on combine les deux, c'est-à-dire la matière noire et la source d'énergie qui fait accélérer l'univers de plus en plus vite, eh bien, on a l'équivalent d'un chêne. C'est-à-dire que la partie que vous voyez, c'est les feuilles, c'est la matière lumineuse, ça fait 5% de la masse. Et si vous calculez le poids des feuilles, ça fait à peu près 5% de la masse du chêne. Je suis con, je l'ai fait. Euh, euh, ensuite, 27%, c'est les branches. Et effectivement, les feuilles sont nourries par les branches. Et effectivement, la masse des galaxies, la lumière des galaxies, est nourrie par la matière qui est attirée par la matière noire. S'il n'y avait pas de matière noire. De ce qu'on connaît de l'univers, les, les premières fluctuations qu'il y a eu au début de l'histoire de l'univers n'auraient jamais donné naissance à la moindre galaxie. Et donc la matière noire est vraiment nécessaire à ce que la lumière arrive. Et puis, pour 68% de la masse, il y a le tronc, qui est cette forme d'énergie qui fait grandir l'univers. OK, bon bah on a ça maintenant. Et dans les deux cas, il y a une dynamique. Soit des étoiles tournent trop vite, soit des galaxies tournent trop vite dans un amas, soit les galaxies s'étendent trop vite. Pourquoi va-t-on chercher de la matière noire et de l'énergie noire On a qu'à dire, les choses vont trop vite. Et une façon de faire ça, c'est de dire qu'aux grandes distances, il bah, y a de l'antigravité. Bah, l'antigravité, euh, euh, pourquoi ça n'existerait pas Et alors, il y a des gens qui modifient la loi de, 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 de la gravité, celle de Newton, parce qu'en fait, dans ce qu'on voit là, c'est principalement du newtonien. Hein et puis, ils appellent ça Modified Newtonian Dynamics. Ça fait monde. Donc, ils créent un autre monde en modifiant la loi de Newton. Et puis, ils essaient d'expliquer tout ça. Bon, cette théorie-là, j'en parle pas trop parce qu'elle marche pas à certaines échelles, elle marche à d'autres. Mais je vais vous parler d'autres choses qui sont plus récentes. Par exemple, une théorie qui propose de résoudre le problème de l'antimatière qui devrait exister dans l'univers, qui a disparu, et qui serait en réalité de la matière avec de la masse négative et qui aurait pour effet de D'avoir une antigravité face à la matière de masse positive. Elle se repousserait. Elle serait principalement dans les grands vides cosmiques. Et l'expérience G-bar qui est ici, c'est bar, euh, euh, c'est. Euh, bah, euh, comment dire la, la barre qui est ici, c'est un, une petite barre qu'on mettrait sur le G. G, ça veut dire gravité. Et quand on met une barre sur un signe, c'est l'anti-gravité. Anti, Donc on appelle ça G-bar parce que ça serait l'anti-gravité. Et c'est cette expérience dont je parlais au début. On fait des anti-atomes et on les laisse tomber. Et puis on voit. Et euh, donc, bon, bah, ça va être testé prochainement, même si ce n'est pas nécessairement une théorie qui explique beaucoup de choses, mais enfin, qui explique tout. Il y, a, il, y a des, il y a des inconvénients en lien, par exemple, avec le, ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique. Et puis, il y a quelques jours, euh, le 5 novembre est sorti un article qui propose euh, non pas d'utiliser de l'antimatière, mais de proposer de la matière normale avec des masses négatives qui feraient de l'antigravité. Donc, en, en d'autres termes, la matière noire, c'est de la matière grise. C'est bon pour la matière grise. C'est-à-dire que c'est mieux que les carottes, c'est mieux que la matière noire, c'est bon pour la matière grise. Ça fait penser. Ça fait penser, ça fait réfléchir. Et ça fait penser aussi les blessures. Ça pense. Parce qu'on a eu des blessures. Des blessures narcissiques. Parce qu'on n'est pas fait de la même chose que... Alors voilà, donc on, est, on en est là. Alors dans, dans mon bouquin, je, 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 ça c'est la page pub, mais euh, j'ai je, 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 résumé ça en cinq illusions cosmiques. Et euh, je vous les résume ici parce que donc j'ai dit tout à l'heure ça celle-là ça serait qu'il y a vraiment de la matière noire euh, pardon celle alors j'ai inversé les deux mais celle-là celle uranienne ça serait qu'il y a vraiment de la matière noire c'est le fait que quand on a regardé le mouvement d'Uranus ben, on s'est rendu compte qu'il n'était pas exactement comme prévu on en a déduit qu'il existait une composante noire qui était qui était euh, Neptune mais au début les premiers qui ont vu ça se sont dit il faut changer la loi de la gravité donc ils avaient l'illusion qu'il fallait changer la gravité en réalité non il fallait invoquer la matière noire. Par contre, pour Mercure, pareil, le mouvement de Mercure ne s'expliquait pas bien. On a, on a invoqué une nouvelle planète, Vulcan, on l'a jamais trouvé, parce que là, Mercure, c'est la planète la plus près du Soleil. Et là, ben, il faut la théorie d'Einstein. Donc il faut changer la théorie. Donc des fois, il faut changer la théorie. Donc vous prenez, vous voyez un moustique, mais vous avez une paire de lunettes. Il est possible que vous ayez une tache sur vos lunettes, ou qu'il y ait un moustique. Donc, euh, et, et dans l'espace, il n'y a pas de son, donc vous entendez pas le zzz, parce qu'il n'y a pas de son dans l'espace. Donc c'est ça le problème. Et donc, donc euh, soit c'est vos théories qui créent les tâches noires, soit il y a vraiment un truc. Donc ça, c'est les deux premières. L'autre, ça vient de notre propre mouvement, ce que j'ai appelé l'illusion martienne. Je n'ai pas le temps d'en parler, mais pour ça, il faut lire le bouquin. Et je voudrais aller maintenant à la grande illusion, et puis ensuite, la dernière illusion. Alors la grande illusion, euh, Vera Rubin, quand on lui a demandé ce qu'elle pensait de la matière noire, elle a dit. Ben, moi, si j'avais le choix, je préférerais que euh, ce soit une nouvelle forme, euh, une modification de la, de, de la loi de la gravité, plutôt qu'un nouveau type de particules qu'on ne connaît pas. Alors, là, j'ai représenté Einstein qui est sur son vélo, et qui est en pleine forme, il pédale autour de la galaxie. Euh, bien sûr, c'est un montage, hein, parce qu'il n'a jamais fait ça, parce qu'à son époque, il croyait pas aux galaxies. Il ne pensait pas qu'il y avait d'autres galaxies à son époque. Mais Einstein résiste à tous les tests. On a eu euh, des mesures à partir d'ondes gravitationnelles d'un sursaut gamma, qui est un, une explosion d'étoiles, qui a envoyé des rayons gamma de la lumière et des ondes gravitationnelles qui sont arrivées à 1,7 seconde d'écart d'une très grande distance, ce qui veut dire que la, la gravité se déplace à une vitesse qui est à peu près la même chose que la vitesse de la lumière à 10 puissance moins 15 près. Ça, c'est un problème pour tous les gens qui voulaient modifier la loi d'Einstein. Tous ceux qui veulent faire une autre théorie que la relativité d'Einstein, à un moment donné, aboutissent, dans la plupart des cas, à une théorie dans laquelle la gravité se déplace à une vitesse différente de la lumière. Et le fait que ce n'est pas le cas, ça valide Einstein. Les ondes gravitationnelles en soi valident Einstein. Les trous noirs valident Einstein. Tout ce qu'on voit valide Einstein. Il est en pleine forme, il ne se casse pas la figure, il tourne. Mais il évite le centre. Parce qu'au centre, il y a un monstre. Il y a un trou noir supermassif au centre de toutes les galaxies. Et l'étude de ces trous noirs a conduit à une révolution, à une véritable révolution scientifique, quand on a appliqué au trou noir la théorie de la mécanique quantique. Parce que là, on s'est aperçu que la peau d'un trou noir devait avoir une certaine épaisseur qui est définie par le principe d'indétermination d'Heisenberg. C'est-à-dire qu'en mécanique quantique, on ne peut pas dire que. Euh, la distance à partir de laquelle la lumière ne peut pas sortir est précisément celle-ci, il y a une incertitude. Et cette incertitude, ça fait une épaisseur. Et cette épaisseur-là, ça permet, je vais très vite, mais d'écrire sur la peau des trous noirs des choses. Et ça, il y a tout un débat autour de ça. C'est lié à ce qu'on appelle la notion d'entropie ou la notion d'information. Et tout ça a germé dans l'esprit de John Wheeler, qui a été... Euh, L'inventeur du terme de, de trou noir, qui est un des plus grands physiciens, euh, et qui a dit cette phrase que j'aime beaucoup Le monde est un endroit fou. La façon dont il est organisé est assez folle. Et nous devons être assez fous si nous voulons vraiment le comprendre. Donc, à partir de maintenant, tous ceux qui veulent garder la raison et qui ne sont pas d'accord pour devenir fous, bouchez-vous les oreilles. Donc, en étudiant la surface des trous noirs, on s'est rendu compte qu'il se passait des choses bizarres et qu'en réalité, il n'y a pas besoin d'aller autour d'un trou noir pour voir ça. Il existe euh, l'équivalent de cette peau des trous noirs un peu partout dans l'univers. Par exemple, l'horizon cosmologique, c'est un peu équivalent à un trou noir. Et donc là, je vais très vite, mais ça a conduit des physiciens à faire des calculs qui sont ceux qu'on avait appliqués à la surface des trous noirs, qui sont des calculs de la partie de la physique qu'on appelle la thermodynamique. Et en faisant ces calculs de thermodynamique, ils ont retrouvé la théorie d'Einstein. Donc ils ont retrouvé le formalisme d'Einstein, mais sur une surface à deux dimensions. À tel point que ça a conduit à cet article de Leonard Susskind, né d'un article par le prix Nobel Gerhard Toft, le monde est un hologramme. On arrive tellement à expliquer l'univers avec deux dimensions, en tout cas la gravité, qu'il en a déduit que finalement, la troisième dimension, on n'a aucune preuve qu'elle existe. Et nous sommes peut-être dans un monde qui a deux dimensions dont on croit qu'elle en a trois. Alors vous allez me dire, là, on est en train de rentrer dans un délire. Et j'avais d'abord dit oui, je l'avais dit avant, vous, donc c'est moi le problème. Et euh, Mais c'est stable. C'est testable parce que. Tout repose sur une idée qu'on peut passer de 2 à 3D et que euh, vous avez une épaisseur de cette. Ce n'est pas vraiment deux dimensions parce qu'il y a une petite épaisseur. Et cette épaisseur-là, elle va avoir des effets. Elle va flouter les images. Elle va faire des flous. Donc quand vous allez regarder des choses avec une certaine précision, vous devriez voir un état de flou si on était dans un hologramme. Donc c'est testable. Tanou Padmanaban a, a, a travaillé. C'est une autre approche qui, va, qui aboutit à la même conclusion. Et ce qu'il dit, ainsi que Ted Jacobson, c'est que la gravité, la loi de la gravité, si on n'a jamais réussi à la réunir avec la mécanique quantique, c'est parce que la loi de la gravité n'est pas une force fondamentale. On n'a jamais testé la loi de la gravité en dessous de un dixième de millimètre. Et donc, la loi de la gravité n'est pas une force fondamentale elle émergerait aux grandes échelles. Quand je prends une molécule d'eau, elle a certaines propriétés, et quand j'en mets plein ensemble et que je fais de l'eau liquide, il y a une tension de surface. Cette tension de surface émerge de la combinaison des, des molécules. Ce sont des propriétés émergentes. Et bien, eux, ils disent, ou l'élasticité d'un élastique, et bien, eux, ils disent que de la même manière que ces températures émergent, euh, cette élasticité émerge, ou la température d'un gaz émerge, euh, la gravité serait une propriété émergente de la nature. Et aujourd'hui, les émergentistes, ceux qui pensent que la gravité est un phénomène émergent, bah, sont de plus en plus nombreux. Et, euh, donc, et ça, c'est une théorie qui est très intéressante parce qu'elle elle voudrait dire qu'il n'y a pas d'échec à concilier l'infiniment petit et l'infiniment grand, la mécanique quantique et la relativité, puisque ce n'est pas une force comme les autres, la gravitation. Alors, si c'est vrai, ça, ça pourrait expliquer la matière noire et l'énergie noire parce que, dans certaines versions, l'horizon cosmique de l'univers serait l'écran où est écrit... De la gravité, et ça aurait des implications sur l'expansion de l'univers. Bon, c'est un truc de dingue, donc je ne rentre pas dans les détails tant qu'on ne l'a pas prouvé, mais ce qui est assez rigolo, euh, c'est que finalement, la limite de la connaissance serait l'origine de notre ignorance. Mais ce n'est pas pour autant que c'est vrai. Donc, maintenant... On va avancer un peu plus dans, dans la... Euh, voilà, on arrive à la fin. Mais euh, Einstein a dit la très belle phrase, L'éternel mystère du monde est son intelligibilité. Et moi, je rajoute une phrase encore plus poétique, Et si Einstein s'était trompé euh, Donc, euh, c'était beau cette phrase, mais euh, qu'est-ce qui nous prouve qu'on est capable d'appréhender le monde En réalité, quand... j'ai posé la question à mes collègues. Par exemple, en physique des particules, la théorie dit que l'énergie du vide et l'énergie d'une particule, en fait, tend vers l'infini. Or, si c'était vrai, le monde n'existerait pas. Donc, je leur dis mais comment vous pouvez dormir la nuit avec une théorie qui permettez ma expression, qui déconne à ce point-là Ils me disent euh, c'est pas grave parce que nous, on a rajouté quelque chose, on, on renormalise les choses, et du coup, euh, en fait, ça marche. Mais on a, on a donc je dis bah, vous avez triché. Richard Feynman, prix Nobel de physique, a dit c'est de la prestidigitation. Et mes collègues m'ont dit oui, mais à aucun moment on a dit qu'on décrivait la réalité. On fait des théories efficaces, mais on n'a jamais dit que c'était la réalité. Donc en fait, tout, toute la conférence n'a pas de sens puisque j'étais en train de dire est-ce que c'est une illusion, alors que dès le départ il n'y en a pas un qui a dit que c'était la réalité. Donc en fait, où est la surprise En fait, il n'y a aucun moment où on parle de la réalité. Alors maintenant qu'on est d'accord là-dessus, puisque vous avez rien dit, donc vous êtes d'accord. Euh, Georges Braque, et je ne dis pas ça pour vous braquer, dit, l'art est fait pour troubler, la science rassure. Oui, mais alors quand la science vous trouble, est-ce que ce n'est pas une forme d'art Est-ce qu'on n'est pas en train de créer l'univers hein, comme un artiste Est-ce qu'on n'est pas complètement dans l'imagination, dans la création Est-ce que derrière la question que je pose, en fait, le plus grand scientifique, c'est un artiste Et finalement, le plus grand artiste, c'est un scientifique. Et puis en fait, c'est les mêmes. Voilà. <laughs> Donc vous voyez ici une image du fond diffus cosmologique. Ça ressemble à une œuvre d'art. Mais un scientifique, quand il voit ça, il vous dit Ah, mais attendez, je compte le nombre de petits, de gros grumeaux. Je regarde la distribution et j'en déduis qu'il existe de la matière noire, qu'il existe de la matière classique, que la quantité de matière classique est de temps, que le taux d'expansion de l'univers est de temps, que euh, la quantité d'hydrogène qui a été ionisé depuis ce fond diffus aujourd'hui est de temps. Enfin, tout un tas de trucs que je vous passe, rien qu'avec ça. Et là, vous comprendrez que c'est dans un cadre théorique donné. C'est de la créativité. C'est peut-être vrai. De la même manière que quand vous me dites ça, c'est une table, vous n'avez reçu que quelques signaux lumineux très très fins et vous voyez une table. Donc vous avez créé une table en vous appuyant sur votre expérience passée. Eh bien, euh, pareil, là, on dit tout ça en s'appuyant sur notre passée. Mais si on s'est planté quelque part, si depuis tout petit, on nous dit ce truc, c'est une table, mais on nous a toujours menti, ça n'a jamais été une table. Ça a toujours été un extraterrestre qui vous accompagne parce qu'il ne veut pas que vous vous fassiez écraser par une voiture et, en, et vous n'auriez pas supporté d'avoir quelqu'un quelqu qui vous suit partout. Et donc on a dit c'est une table. Et vous, vous croyez que c'est une table Tu crois que c'est une table Tu sais plus. Il ne sait plus <laughs> C'est ça le problème. N'écoute pas les gens qui te disent que c'est une table. Il faut douter de tout. Bon. Donc voilà. Donc maintenant, on est dans cette situation-là. Alors... Euh, au moment où euh, Einstein a développé sa théorie de la relativité, s'est développé le cubisme, au même moment, euh, les années 1910. Et euh, dans le cubisme qu'a développé Georges Braque, euh, eh bien, on a voulu se libérer de la perspective traditionnelle de l'art. La, de la, de Et voilà ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, on ne veut plus voir les choses sans un certain point de vue, on veut voir les choses telles qu'elles sont. Mais du coup, s'il n'y a plus de point de vue, Comment vous faites pour situer les choses dans l'espace ben, Ils en ont déduit qu'il ben, faut manifester physiquement l'espace. Si vous voulez vous libérer du point de vue, l'espace devient une substance. Ben, Einstein, il a dit exactement ça, mathématiquement. Il a dit il faut se libérer du point de vue et l'espace est devenu une substance. Mais les deux ont fait la même chose, l'un dans l'art, l'autre dans la physique, et ça s'est fait au même moment. Quand Copernic a dit, je change de point de vue, le monde est devenu harmonieux, la perspective émergeait dans l'art et se développait dans l'art, et on, change, on rendait le monde harmonieux en prenant le bon point de vue. Quand aujourd'hui, on dit que tout est fait de composantes noires, on ne sait plus quoi croire, même dans la vie de tous les jours. On vit dans un monde où on se demande... Là, je vous avais prévenu, hein. je rentre dans mon délire. Mais, mais, mais tant pis, je partage avec vous parce que je suis venu pour partager. Voilà, voilà. Ça. Et, et donc, la question que je pose est la suivante... Est-ce que la question scientifique n'est pas le reflet, à travers le fait qu'on est dans la représentation de l'univers, d'une démarche de l'homme qui cherche à connaître, et donc ne parle pas aussi de nous, en tant qu'humanité, qui sait on nous connaître, et qui sommes confrontés à un nouveau défi Donc je pense que nous sommes tous concernés par cette science, et pas uniquement cernés par des cons. Donc on est tous concernés, pas uniquement cernés par des cons. Et donc voilà. Donc, alors maintenant... Je voudrais vous dire comment la théorie et je vais finir là-dessus. La théorie du Big Bang, qui est la théorie reconnue aujourd'hui, a une part de mythe en elle. Et je veux vous dire ceci. L'abbé Lemaître, qui est ici, en 1921, le 29 juin, il rédige une étude sur les trois premières paroles de Dieu. Parce que il, il, il essaie de voir si dans les paroles divines, il y a une information qui pourrait nous aider à comprendre l'univers. Il n'est pas pour le syncrétisme entre les deux, il dit pas la religion et la science, c'est la même chose, mais quand même, il s'est dit si le mec il nous avait laissé un petit indice, quand même, ça pourrait être sympatoche. Parce qu'imaginez, vous croyez, vous dites le mec, il existe. Pourquoi il vous aurait pas dit un, un petit donc vous cherchez Newton toute sa vie a cherché un code secret qui aurait été écrit par Dieu dans la Bible il a cherché à décoder la Bible c'était un magicien bon après c'est pour ça qu'il croyait dans des lois de la création les Chinois n'ont jamais imaginé les lois de la gravité haute parce qu'ils croyaient pas dans des lois donc lui il se dit bon la physique dit que tout corps rayonne de la lumière c'est le mécanisme de, de corps noir et comme la Bible dit qu'il y a eu un fiat lux un moment où la lumière est apparue bah ça veut dire qu'avant, il n'y avait pas de lumière, or tout corps faisant de la lumière, donc il n'y avait pas de corps physique. Et donc il dit, avant, il n'y avait rien. Et donc, ça a dû être une création à partir de rien. Ex nihilo. Donc il dit, le monde a dû être créé ex nihilo. Puis, il résout les équations d'Einstein, et il trouve le truc qu'il attendait. Coup de peau parce que c'est lui qui trouve. Einstein, lui, il l'a pas trouvé. Alors, il a trouvé un truc qui était le Big Bang. Et qui était le fait que tout semblait émerger de rien. Il l'a envoyé à Einstein, et Einstein n'a pas répondu. Et il se retrouvait au congrès, 5e congrès de Solvay à Bruxelles en 1927. Et là, le maître lui dit euh, Monsieur Einstein, vous avez vu ma théorie J'ai publié dans les annales de la Société Scientifique de Bruxelles Einstein, oui, oui, je l'ai lu, vos mathématiques sont parfaites, mais votre physique est abominable. C'est un terme scientifique abominable. Et le maître lui dit, euh, dit que lorsque je lui parlais de l'atome primitif, donc cette chose qui va être à l'origine de tout, Einstein l'a arrêté, non, pas ça, ça suggère trop la création. Et donc, euh, Einstein avait dans ses équations l'idée d'une création du monde, psychologiquement il la refusait, et donc il ne l'a pas vue. Or, s'il ne la voyait pas, il ne pouvait pas résoudre. Ces équations. Donc Einstein n'a pas résolu les équations qu'il a écrites. Einstein. Et peut-être que la raison pour laquelle il n'a pas résolu, c'est parce que ce qu'il faudrait accepter si on la résolvait, c'est abominable. Donc imaginez que maintenant vous sachiez des choses, mais qui ne correspondent pas à ce que vous voulez. Ben vous ne le savez pas. Vous allez les effacer. Et c'est extrêmement difficile de voir autrement que ce qu'on attend. Alors. En 1950, Fred Hoyle euh, fait des émissions à BBC et le 28 mars, fin, de, fin des, années, autour des années 50, le 28 mars 1949, il, il, euh, il dit les scientifiques aiment le Big Bang parce qu'ils sont obnubilés par le livre de la Genèse. La première page de la Genèse est très profondément inscrite dans le psychisme de la plupart des scientifiques. Et donc voilà, il dit voilà, on est en plein mythe. Le problème, c'est en fait, j'ai pas suivi le temps. Je suis à combien J'ai fini J'ai dépassé de combien Je m'arrête dans, dans, dans moins 30 secondes euh, Donc voilà, j'ai presque fini. Parce que là, on vient de faire la création on va reprendre. Non. <laughs> Mais je, je vous fais une parenthèse parce que je la trouve intéressante. C'est que Fred Hoyle refusait cette idée-là. Et donc, il a refusé cette théorie et il l'a appelée Big Bang. Mais il ne s'est pas rendu compte qu'en disant Big Bang, il reprenait un terme qui est dans une bonne partie des grandes traditions religieuses. Donc dans la Bible, la première phrase de la Bible, de l'Ancien Testament en hébreu, euh, c'est Bereshit bara Elohim et et ha-aretz tohu bohu. Tohu Le tohu c'est le chaos initial. Chez les Chinois, le Huainanzi, qui est le livre, le grand classique de, de, du prince de Huénan, ils appellent ça Hun Tun. Chez les Maoris en Nouvelle-Zélande. Ils appellent ça Coré-Coré. Chez les Peuls en Afrique, ils appellent ça kala. -kala". À chaque fois qu'on a voulu nommer ce qui précède l'organisation du monde, on a utilisé un mot qui a une répétition sonore, une symétrie, qui suggère que l'organisation va se faire, que ce soit par Dieu, par lois de la physique, peu importe, après, mais elle est là en puissance. Kalakala, Coré-Coré, Huntun, Tohubohu, Big Bang. Lui a dit Big Bang en se en voulant se séparer des grandes traditions, et il a fait exactement ce qu'aurait fait quelqu'un qui était impliqué dans les grandes traditions. Du coup, on a tous gardé Big Bang sans se rendre compte parce que c'est complètement inconscient. Et donc, on s'est dit, c'est parfait, c'est le mythe. Le mythe de la Genèse, etc. Sauf que, qu'est-ce qui prouve que c'est vrai Parce qu'au-delà de l'horizon qui est qu qu la limite de ce qu'on peut voir, on ne sait pas ce qu'il y a. Il y a peut-être d'autres univers où l'univers est peut-être multiple, où il peut, il peut y avoir beaucoup de choses. L'histoire qu'on a choisi de raconter en disant qu'il y a un début, etc., c'est un mythe. C'est un mythe cosmique euh, qui est euh, finalement vrai dans le sens où il y a une expansion de l'univers, mais qui est très proche euh, de ce qu'on pense. Donc, pour conclure, euh, je vous montre cette euh, affiche du film Barton Fink parce que c'est une façon d'y penser, think. Mais, euh, euh, comme disent les Anglais, euh, think about it. Ben, en fait, dans ce film des Frères Cohen, c'est un, un réalisateur qui est invité à Hollywood pour écrire un scénario. Et lorsqu'il arrive à Hollywood, il a peur de ne pas avoir d'intuition, donc il va dans un petit hôtel miteux. Et il n'a toujours pas d'intuition, pas d'idée. Et là, son voisin lui donne cette boîte. Et il lui dit Tu peux me garder cette boîte, s'il te plaît Alors, euh, il dit Mais Pourquoi Tu me la gardes, c'est tout. Ok. Il regarde la boîte, puis il ouvre un journal, et dedans il y a marqué qu'il y a un type qui tue des gens et qui leur coupe la tête. Et la boîte a la taille d'une tête. Bon, il n'y a aucune raison que ce soit ce type, bon, mais il a une boîte dont il ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et à partir de là, tout, tout est sorti, tout a émergé, il a commencé à créer. Eh bien, c'est ça que j'aimerais partager avec vous c'est que qu'on l'appelle matière noire, qu'on l'appelle énergie noire, peu importe, il y a une boîte, il y a une question ouverte à laquelle on n'a pas de réponse. Et c'est ça qui compte. Il ne faut pas fermer les choses, il faut garder l'esprit ouvert, et c'est ça qui compte. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a des questions Il y a quelqu'un qui veut poser une question Merci pour l'intervention. Ma question, comme je vous avais dit dehors, c'est au sujet du temps. Donc on dit que le temps est relatif. C'est peut-être une illusion. Le passé, le présent et le futur existent au même instant. Mais cette phrase me pose un problème. Lorsqu'on dit en même instant, quel instant il faut bien qu'il y ait un autre instant, autre que le passé, le présent et le futur, par rapport auquel on observe ces trois temps. Est-ce qu'on peut observer, est-ce que c est, c est, c est, ça a un sens d'observer le temps par rapport au temps Ou y aurait-il peut-être un autre temps, en dehors de notre univers, notre dimension que nous connaissons, qui lui est absolue, et par rapport à ce temps-là, notre nom, notre nom à nous est relatif. Alors, c'est une bonne question. Le, le, le temps absolu, pour l'instant, échappe encore à une, form une formalisation physique. C'est-à-dire qu'en mécanique quantique, il bon, n'y a pas de temps absolu. Et en relativité, non plus. Ce, que, ce, que, ce dont parle la relativité, c'est des durées. Donc la, la durée d'un phénomène va varier. Selon, par rapport à un observateur, si l'autre se déplace, ou bien s'il se rapproche d'une masse, ça va varier. Euh, par exemple, si je prends une horloge atomique aujourd'hui, elles sont telles que si ça c'est une horloge atomique, si je la soulève de quelques centimètres au-dessus de, de la table, le temps va s'écouler plus vite. Et ça c'est maintenant, ça a des effets, ce qui fait qu'un GPS, au bout de 24 heures, il a, il, si on enlève la correction de ça, eh bien, il se trompe de 18 km. Donc la relativité du temps, elle est là. Et la relativité générale, puisque c'est un effet de la gravité de la Terre. Mais le temps absolu, qui pourrait définir, par exemple, la référence absolue pour l'expansion de l'univers, pour l'histoire des étoiles, pour l'histoire de l'homme, etc. Aujourd'hui, on ne sait pas le définir. Donc, on a des temps relatifs. Et votre question, si j'ai bien compris, c'est d'accord, il y a des temps relatifs, mais n'y a-t-il pas un temps absolu quelque part où il ne pourrait pas y avoir d'autres temps Presque tout ça a été imaginé. Par exemple, certains disent qu'il existe d'autres bulles univers qui ont d'autres flèches du temps. Euh, avec d'autres constantes de la physique, euh, etc. Aujourd'hui, la, la physique est suffisamment floue sur cette notion pour qu'on puisse s'autoriser à, 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 à jouer avec ça. Et il y en a certains qui disent que le temps est une variable dont on peut se débarrasser. À partir du moment où le temps mesure une durée de manière analogue à une longueur, parce que dans la théorie de la relativité, la durée, à part le fait qu'on peut parvenir en arrière, euh, c'est un peu comme une longueur on peut faire des changements de variables et on peut se débarrasser du temps. Et à ce moment-là, c'est comme si tous les instants étaient comme des photos posées sur une table. Donc il y a des formalismes qui proposent d'enlever le temps et qui disent que tous nos problèmes viennent du temps. Qu'en qu en fait, euh, c'est parce qu'on suppose l'existence du temps, etc. Alors vous allez me dire, mais dans quel temps se place-t-on quand on dit... Voilà, donc c'est est, est, est un problème qui est, qui est encore ouvert, et effectivement. Et observer le temps par rapport au temps, vous avez raison, qu'est-ce que ça peut vouloir dire Voilà. voilà. Votre problème, qui est comment peut-on observer le temps par rapport au temps, et ça voudrait dire sans référence absolue, c'est un problème ouvert. C'est un problème ouvert. Le paradoxe des jumeaux, ça c'est plus simple, parce que le paradoxe des jumeaux, c'est simplement une durée relative à une autre, pas un temps. C'est la durée, et ça, ça va. On sait l'écrire mathématiquement. Mais le temps, oui, on l'a mesuré avec des horloges. Ah oui, c'est relatif. C'est pour ça que je vous dis que c'est des durées, mais ce n'est pas par rapport à un temps absolu. Une, une question de la médiathèque, parce qu'il y a une retransmission à la médiathèque. Oui. Donc, une question de la médiathèque qui dit, est-ce que le hachek décrit dans les premières paroles de la Bible ne représente, représenterait pas cette matière noire dont vous avez parlé Est-ce que le, le, le hochek décrit dans les premières paroles de la Bible C'est quoi le début Est-ce que le quoi la Bible. Non mais le... Le, le, rocher. le rocher. Ah le Rocher. Oui, le Il rocher. rocher. Il a écrit H.O. Euh... Est-ce que la Bible fait référence à la Matthieu dans en quelque sorte. Je, 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 je n'en sais rien. Bonsoir, je vais, sans vouloir vous offenser, je vais vous poser une question qui, en fait, vient d'une théorie d'un auteur à succès qui s'appelle Isaac Asimov, euh, selon laquelle, euh, un jour, beaucoup plus tard, dans des milliards d'années, euh, tous les trous noirs ayant fusionné et s'étant absorbés les uns les autres, la dernière, le dernier quark, la, la, le dernier photon ayant rejoint cette espèce de masse immense. Il y a à nouveau un Big Bang. Et donc, on est peut-être à notre troisième, quatrième ou Xième Big Bang. Qu'en pensez-vous Alors, ça, on, on peut garder la conclusion que vous venez de dire sans le, la démonstration qu'il a donnée, parce que depuis, les choses ont un peu changé, parce que les petits trous noirs s'évaporent, et puis l'univers s'étendant de plus en plus vite, finalement, euh, la matière ne va pas l'emporter sur l'expansion. Et donc, euh, on, on... mais. L'énergie noire, que lui ne connaissait pas à l'époque, on ne connaît pas sa nature. Cette énergie qui serait à l'origine de l'expansion accélérée de l'univers. Or, ce qui se passe en ce moment est analogue à ce qui s'est passé au moment du Big Bang. C'est une phase qu'on appelle une inflation. Et on est en train de débuter cette inflation. C'est-à-dire qu'il est possible que l'énergie qui est à l'origine de l'accélération de l'expansion de l'univers soit celle qui a fait le Big Bang. Or, après le Big Bang, elle naît tout ce qu'on connaît. Et donc, il est tout à fait possible que ce qu'on est en train de voir, c'est la naissance d'un nouvel univers qui germera de la conversion de cette énergie-là en nouvelles particules de matière. Pour ça, il faut connaître la nature de cette énergie, ce qu'on appelle l'équation d'état en thermodynamique, sa pression, sa densité. Et donc, le satellite Euclide, qui va être lancé en 2022, va aborder cette question. Il ne va pas la résoudre complètement, mais il va aborder cette question. Euh, certains parlent même de quintessence, la cinquième essence qui serait l'énergie noire, d'autres parlent d'énergie fantôme, d'autres parlent. Donc, effectivement, moi je ne suis pas partisan de dire qu'avec ce qu'on connaît, on peut dire qu'il y aura une mort froide de l'univers et que c'est la fin des haricots. Je pense qu'on en connaît suffisamment peu pour qu'il y ait un ensemble des possibles qui, soit... qui inclut ça. Euh, eh bien, ma question est la suivante. Ah, est moi. Oui. Euh, eh bien, on dit toujours théorie des cordes, théorie de la relativité générale, théorie de la relativité restreinte, mais on n'y croit pas beaucoup. Mais quand on dit la théorie du Big Bang, on y croit dur comme fer. Pourquoi Alors, en fait, euh, on, on croit beaucoup à la théorie de la relativité d'Einstein. Euh, on, croit, on croit beaucoup à la théorie de la relativité d'Einstein, la relativité restreinte, la relativité générale d'Einstein. On y croit énormément parce qu'elle marche très bien. La théorie des cordes, c'est qu'une théorie qu'on n'a pas validée, donc. Ça, c'est autre chose. Et le Big Bang, ce n'est pas une théorie. Le Big Bang, c'est euh, le fait qu'il y a eu une expansion de l'univers. Mais il n'y a pas une théorie du Big Bang. Il y a des théories qui essaient d'expliquer le Big Bang. Par exemple, la théorie des cordes, avec des rebonds, avec des choses comme ça. Mais on n'a pas de théorie du Big Bang parce qu'aujourd'hui, personne ne sait pourquoi il y a eu un Big Bang. Et donc, on a le... ça c'est pas vraiment une théorie, dans le sens où une théorie, ça, ça s'écrit mathématiquement. On définit ce qui s'est passé. Or, on ne sait pas ce qui s'est passé parce que nos théories à l'heure actuelle, au moment du Big Bang, elles marchent plus. C'est comme si on voulait savoir combien de fois il y a zéro dans un. C'est pareil. Une autre question de la médiathèque qui dit Est-ce que finalement, la science ne serait qu'un langage comme un autre pour expliquer le monde Alors. Euh... Oui et non. C'est-à-dire que c'est un langage pour expliquer le monde, euh, mais il faudrait prendre garde à le relativiser trop parce qu'il il s'appuie sur notre expérience. Et donc, on, 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 peut, on peut relativiser les dernières théories scientifiques qui cherchent à explorer au-delà d'une certaine limite, mais le fait que lorsque je prends cette bouteille, je la lâche, elle tombe, c'est toujours vrai. Et donc. Euh, on ne peut pas mettre ça sur le plan de la croyance. Je sais que certains, par exemple, disent, vous croyez que la Terre est ronde, vous croyez qu'on est allé sur la Lune, c'est votre liberté. Moi, ma liberté, c'est de croire que la Terre est plate, qu'on n'est pas allé sur la Lune, etc. Et là, ça devient dangereux, parce que, il y a des, il y, a, y a, si on commence à remettre en question un certain nombre de faits de base, euh, ben, la science a apporté beaucoup de choses, que ce soit en médecine, que ce soit, etc., même dans nos iPhones, dans tout ce qu'on veut. Et donc, euh, allons jusqu'au bout, si on remet en question la science bah, il ne faut plus toucher tout ce que la science a fait euh, plus de frigidaire, plus de machin, plus de trucs donc euh, là je vous parle des frontières de la connaissance et effectivement quand on est à la frontière on n'est pas dans l'établissement dans scientifique, on n'est pas dans l'édifice scientifique on est dans l'exploration et de tout temps ça a été ça donc effectivement c'est un langage, c'est pas la réalité c'est une représentation mais c'est efficace euh, donc euh, bonsoir euh, en fait, euh, ma question se réfère à tout ce que vous avez dit au début à peu près, euh, quand vous avez parlé de matière noire. Euh, Aujourd'hui, on sait que l'univers fait 68 euh, de matière noire, si j'ai bien, dit, ou peut-être 27 27, 27 de matière noire. Euh, on sait que l'univers est en expansion et accéléré. Certains disent même qu'elle dépasserait peut-être la limite de la vitesse de la lumière. Comment expliquer que certaines matières arrivent à dépasser cette même vitesse qui est fixée Alors, votre question, c'est de savoir comment on, on peut imaginer qu'il y a une expansion plus rapide que la lumière, c'est ça Oui. Alors, l'idée est la suivante c'est que si on accepte l'idée que l'espace a une forme de substance, qu'on peut courber, par exemple, chaque élément d'espace, donc par exemple entre vous et moi, il y a 4,50 mètres. Voilà, donc 4,50 mètres. Maintenant, imaginons que cet espace-là, il soit un peu élastique et que toutes les secondes, cet espace grandit d'un centimètre. Donc au bout d'un certain temps, vous allez vous retrouver plus loin de moi. Donc un centimètre, c'est par exemple toutes les minutes. Un centimètre par minute, c'est pas la vitesse de la lumière. Mais maintenant, imaginons quelqu'un qui est dix fois plus loin que vous. Donc entre moi et lui, il y a dix fois... Cette morceau d'espace. Donc il y a beaucoup plus de centimètres qui vont chacun gagner, pas beaucoup plus de mètres, mais chaque, chacun va gagner un centimètre toutes les minutes. Et donc ils vont s'accumuler. Et donc plus je vais regarder loin, plus il y aura de morceaux d'espace qui vont grandir comme ça. Au bout d'un moment, la somme de toutes ces extensions vont me donner l'impression que l'objet se déplace plus vite que la lumière. En réalité, localement, ça se déplace à une petite vitesse, mais effectivement, nous nous éloignons avec une vitesse qu'on appelle de récession plus vite que la lumière. Il en résulte que si cette, euh, par exemple, cet objet lointain est une étoile et qu'elle explose et qu'elle fait un milliard de fois la lumière du Soleil, eh bien du fait qu'elle est au-delà d'une limite telle que ça ça, l'accumulation accumula, de toute cette distances fait que ça va plus vite que la lumière, eh bien je ne recevrai jamais sa lumière. Donc il y a une limite au-delà de laquelle on ne pourra jamais rien voir. Et cette limite se rapproche de nous. Donc, d'une certaine manière, l'univers devient amnésique et la partie de l'univers est observable est de plus en plus petite. Et, et si ça continue comme ça, dans un futur un peu lointain, on ne pourra rien voir d'autre que la galaxie d'Andromède et les quelques voisines qui sont autour de nous. Mais peut-être que ça changera. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi la table À partir de quand une étoile devient supernova. Alors, les étoiles qui deviennent des supernovas, c'est seulement les plus massives. Il faut qu'elle ait 8 fois la masse du soleil. Et quand on a 8 fois la masse du soleil, au centre de la Terre, au centre de la Terre, au centre du soleil, la température fait 15 millions de degrés. Donc à la surface, elle fait 6000 degrés, au centre, elle fait 15 millions. Toutes les secondes, au centre du soleil, il y a 600 millions de tonnes D'hydrogène qui se colle et qui fonde de l'hélium. Chaque fois qu'ils fusionnent, ça libère de l'énergie et c'est ça qui fait de la, la lumière du Soleil. C'est E égale MC2, c'est ce qu'a dit Einstein, de la masse qui devient de l'énergie. Bon. Ça fait 4 millions de tonnes, tous les 600 millions de tonnes par seconde, donc il y, 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 y a 4 millions de tonnes qui disparaissent. Le Soleil perd, perd chaque seconde 4 millions de tonnes. Il ne pèse plus la même chose. Chaque seconde, il perd 4 millions de tonnes de sa masse. D'accord. Après, il n'y aura que de l'hélium, mais si on prend une étoile encore plus grosse, après l'hélium va fusionner, il va faire du carbone, de l'azote, de l'oxygène, du silicium, et puis il va arriver au fer. Le problème du fer, c'est qu'il est tellement stable, tellement solide, que lorsque vous mettez deux, deux noyaux de fer l'un avec l'autre, eh bien ils prennent de l'énergie plutôt que libérer de l'énergie quand ils fusionnent. C'est endothermique au lieu d'être exothermique. Ça et du coup, vous avez la compression de l'étoile, vous avez les noyaux de fer qui prennent l'énergie, ça s'emballe, ça s'effondre, ça crée un noyau solide qui va devenir soit une étoile à neutrons, et puis quand on est au-dessus d'une masse de 20 masses solaires, un trou noir, ça rebondit, ça emporte toute la partie supérieure de l'étoile, et ça fait un, un rayonnement très, très important parce qu'il y a de la radioactivité, etc. Et l'étoile est disloquée. Et donc l'étoile explose. Ça, c'est quand les tours rencontrent l'âge de fer. Vous savez que l'âge de fer, c'est fondamental sur Terre, c'est fondamental partout. Mais dans les étoiles, il y a un âge de fer. Quand elles rencontrent le fer, elles meurent. Comme nous, quand on rencontre du fer avec un couteau, on meurt. Ça a été les armes de fer, mais aussi c'est le chemin de fer qui nous permet de communiquer avec les autres, c'est le fil de fer qui nous permet de communiquer avec les autres. Tout est nuisible du fer et il faut le faire. Merci pour votre exposé. Euh, moi, j'ai bien aimé la façon dont, dont vous avez évoqué les découvertes scientifiques en disant qu'ils parlent plutôt beaucoup de nous-mêmes. Oui. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup, qui m'a beaucoup touché. Euh, ça parle beaucoup de nous-mêmes. Euh, L'être humain est très, est très euh, diminué, en fait. On a cinq sens. On se représente le, le monde tel qu'il est par cinq pauvres sens. Peut-être qu'il y en a des milliers ailleurs. Et on, on le construit. Et on le voit à notre image, en fait. Hein, on dit que Dieu fait l'homme à son image, mais nous, on fait le monde qu'on voit à notre image aussi, tel qu'on le conçoit avec nos présupposés, etc. Mais ce qui a attiré mon attention, et je voudrais que vous me tranquillisez un peu, parce que j'ai vu que les scientifiques, euh, même les grands scientifiques auxquels euh, on, fait beaucoup, on, on donne beaucoup de crédit, euh, qui représentent la quintessence de, de l'humanité, sont encore influencés par leurs préceptes religieux ou, ou autres ou d'école. Est-ce que euh, dans votre travail, euh, les gens avec lesquels vous travaillez, est-ce qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont encore influencés par, par... le religieux, c'est terrible, mais disons même leur école, reste restent étroits dans leur petite chapelle euh, et n'en sortent pas. Ça, ça m'a ça pas rassuré, tout ça. Merci. Il faut répondre. Euh... Vous, vous voulez que je vous rassure ou, ou je dis la vérité <laughs> les, 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 les scientifiques, en fait, euh, ne sont pas différents de tout le monde. Ils, ils ont l'expérience d'une certaine forme de pensée, mathématique, etc. Donc, ils vont ils ne vont pas se laisser avoir facilement par certaines supercheries, donc euh, ils vont douter, etc. Mais, mais, euh, mais si vous allez dans cette voie-là sur laquelle tout le monde a construit, quand, quand on dit se mettre sur les épaules des géants, on voit plus loin, on, on peut monter sur les épaules de Newton, sur Galilée, sur Einstein, etc. On voit tellement loin que redescendre de l'épaule des géants pour aller dans une autre direction, vous voyez moins loin. Et donc, c'est pas facile d'accepter d'aller explorer un autre axe où il faut tout recommencer. Et euh, donc, c'est une tendance naturelle, humaine, que, que d'aller jusqu'où on peut dans la même direction. Par contre, ce qui peut arriver, effectivement, c'est que euh, moi, ça m'est arrivé de, de voir dans une image du ciel un objet. Quasar, hein, qui, qui, qui avait un quasar qui, qui avait un jet de matière et qui était en train de donner naissance à une quantité d'étoiles énorme. Alors qu'en général, on pense que les jets de matière, enfin les gens pensent que ça, ça tue la formation d'étoiles. Donc c'est une, une idée comme ça. Sauf que moi, je le voyais, j'avais une image. J'ai mis du temps à l'analyser parce que. Au début, les gens tellement croyaient tellement pas que ça était possible qu'ils n'avaient rien dans leur image. Ils ne le voyaient pas dans l'image. Quand je dis qu'on voit la table, on ne voit pas, etc., il m'a fallu analyser l'image avec certaines données. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, bah, je vais publier un article pour dire que j'ai vu ça. J'ai un collègue qui est venu moi et il m'a dit, non, tu ne vas pas dire ça. Je dis, comment, c'est dans l'image. Il m'a dit, non, non, parce qu'on va penser que tu penses ça, ne dis pas ça, c'est en désaccord avec ça, etc. Et là, j'ai réalisé, pour une petite idée comme ça, que, que lui, s'il l'avait vu, il l'aurait pas vu. Et du coup, je lui dis, montre-moi tes images à toi d'objets comme le mien. Je peux regarder et je vois le même phénomène que moi j'avais vu dans un des siens. Je lui dis, mais c'est bizarre là. Il y a un quasar qui est décalé par rapport aux étoiles et avec exactement le décalage qu'on attendrait si, si c'était la même chose que le mien. Et là, il me dit, non, 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 mais attends, j'ai mal calculé le centre, il faut que je refasse la calibration de mes images. Je lui dis, combien de temps il te faut bah, Deux semaines. Je reviens deux semaines après, je dit, t'as fini la calibration Oui, oui. Alors, il y a toujours l'écart Oui. Bah, tu m'autorises à le citer Non. Ce n'est pas pour vous dire qu'on est tous comme ça. C'est juste pour vous dire que cette difficulté, qui est proprement humaine, d'arriver à voir quelque chose qu'on ne comprend pas, c'est un problème de fond. C'est-à-dire que les, les scientifiques sont des gens qui sont très ouverts, ils ne cachent rien, ils, ils sont... Euh, mais euh, 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 voir euh, quelque chose qu'on n'attend pas... Euh, ça veut dire accepter de poser une question et de ne pas y répondre tout de suite. Et ça, j'ai fait le test avec mes collègues. Une question ouverte qu'on pose et à laquelle on n'apporte pas une réponse tout de suite, eh ben, c'est inacceptable pour la plupart de mes collègues et de tout le monde. On n'accepte pas de dire une question ouverte. Euh, voilà. Et, et, et je pense que pour moi, et je suis désolé, je suis très long, pour moi, une question ouverte, c'est une tension. Et si vous regardez tout ce qui est dans votre corps, qui fait que vous vivez, c'est que des tensions, des tensions électriques dans le cerveau, des tensions, machin, etc. On n'est que des tensions. Si vous arrêtez les tensions, vous mourrez. Un atome, c'est que du mouvement. Si vous preniez un atome immobile, il n'y aurait plus rien. Donc, la tension d'une question, pour moi, c'est une source de vie. Et ça, euh, accepter cette tension, qui, qui, qui est une souffrance quelque part, parce qu'il y a une tension entre ce que vous savez, c'est ça. Et ça, c'est ça la clé. Et pour ça, le chercheur, c'est pas un scientifique, c'est tout le monde. Et, 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 et ça veut dire qu'aujourd'hui, on est des milliers de scientifiques, mais des vrais penseurs, comme l'a été Einstein, comme l'ont été, etc., il ben, y en a peu, en fait. Et voilà, c est, c est toujours, de tout temps, il y en a eu peu. Ce n'est pas parce qu'on a payé, ce n'est pas parce que vous mettez tant de pourcents du budget d'un État euh, dans des gens qui vont devenir des savants. Ils, ils, ils vont faire avancer la science, mais des comme ça, ben, vous en aurez peu. Alors, deux autres questions de la médiathèque. Si on compare les lois de physique de notre galaxie et celles d'un trou noir, est-ce possible que nous soyons en train de vivre dans un trou noir La ah, deuxième question, il dit que pensez-vous du monde parallèle Alors euh, oui, en fait, c'est aussi le fait que certains disent que quand on va dans un trou noir, on peut aller dans un monde parallèle. Euh, c'est cette question de est-ce qu'on peut être dans un trou noir En fait, j'ai donné toute une conférence là-dessus. En fait, qu'on peut trouver on peut, trouver sur, on peut trouver sur YouTube. Est-ce que euh, habitons-nous un trou noir donc euh, là, il faut repartir pour une heure, donc euh, c'est compliqué. Mais disons que euh, c'est selon, euh, euh, comment dire, euh, disons que si on, si on rentrait dans le trou noir galactique là, okay, il y a un trou noir de, qui est 4 millions de masses solaires hein, au centre de la Voie lactée ou dans d'autres galaxies, un milliard de masses solaires, si toute la salle là rentrait dans ce trou noir, on ne sentirait rien. C'est pas un objet dense. Pour les gros trous noirs, par un objet dense. Mais après, on serait attiré vers le centre, et là, c'est mauvais. Et dans certaines théories, ce centre qui déchire l'espace-temps, bah, c'est un pont vers d'autres dimensions, effectivement. Mais pour l'instant, on ne sait pas trop. Donc, en fait, donc je vais détourner la question en disant, si on était là dans un trou noir, et, et d'une certaine manière, on peut dire qu'on est un trou noir, si on calcule la densité de matière dans l'univers, mais bon, c'est un peu compliqué. Mais si on était dans un trou noir, on ne on, bah, on s'en tirerait rien. Un gros trou noir, un petit trou noir, ça fait mal, mais un gros trou noir, c'est... les gros trous noirs, c'est comme des baleines, passer à côté, ça vous fait rien. Un Petit trou noir, c'est des requins. Il y, y a toutes sortes de, de trous noirs, mais et, et après, la question, c'est est-ce que on ressort On parle des trous blancs, c'est ceux qui sont les plus troublants, et, et euh, avec des trous de verre, et, 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 et voilà. Bon, euh, ça, c'est des théories qui disent ça, et bon, on n'en sait rien, on en sait rien. Oui, oui, pardon. Oui, alors euh, moi je, je vous remercie donc votre euh, euh, votre thème, enfin qui fait un petit peu donc suite à ce qu'on a appelé donc la matière noire. Et je vais bon va partir un en... petit peu. Je vais partir donc de là où vous avez c'est pas grave. Alors vous vous partez de ce qu'on appelle la limite de nos connaissances, c'est le début de l'ignorance. C'est le début de l'ignorance dans tout ce qui nous entoure. Vous venez d'évoquer enfin, que nous sommes, parce que bon, si, vous voulez, si nous partons de nous-mêmes, pour aller voir un petit peu ce qui se passait dans nous-mêmes, nous sommes, vous venez de l'évoquer, euh, des atomes en tension, si vous voulez. C'est quoi, si vous voulez En quelque sorte, c'est une interaction entre une énergie qu'on donnait à cet atome et éventuellement cet atome, on nous renvoie cette énergie, l'absorption, l'émission qu'on connaît, enfin, tout le monde connaît, même les lycéens on le connaissent. Alors, si vous voulez, c'est une tension. Moi, j'imagine un petit peu tout ce qui se passe dans l'univers. C'est aussi ce qu'on appelle une interaction matière-rayonnement de la matière et du rayonnement. C'est du vrai, hein, Je vous le dis, c'est du vrai. Moi, je l'ai. Oui. Pourquoi Pourquoi je, je, je crois Je rejoins mes, enfin, les gens qui sont dans la salle. C'est que j'ai une aspiration qui est religieuse. Le, le scientifique, c'est un, un homme qui est qui aime la logique. Nous travaillons dans une logique. Ça plus ça, ça donne ça, si vous voulez. Si on sort de cette logique, personne ne le croit et finalement, on commence à dévaguer et tout. Bon, enfin, ça, c'est mon point de vue. Pourquoi Parce que peut-être, éventuellement, peut-être, je ne vous dirai pas, peut-être, je suis passé par les mêmes euh, labos, peut-être les, les observateurs où vous avez. Alors, euh, je reviens à cette histoire, donc si vous voulez, de dire que. Oui, je vais poser une question. Alors, si vous voulez, tout ce qui se passe dans d'aller voir, si vous voulez, tout ce qu'on appelle... Je vais évoquer ce qu'on appelle cette notion de religion. Moi, dans le Coran, ça a été évoqué, cette histoire de ce qu'on appelle le Big Bang. Ce n'est pas une Big Bang, je ne l'appelle pas. On l'appelle le ou Enfin, je vais le dire en arabe, peut-être éventuellement, quelqu'un qui peut le... Est-ce qu'il ne nous regarde pas à ce qui est dans la création des cieux et de la terre C'était qu'un... Enfin c'était qu'une masse qui s'est explosée. Alors, mais simplement, ce qui m'intrigue, cette notion de temps, c'est que le temps est l'équilibre, c'est-à-dire c'est dans le temps, elle part, c'est-à-dire quand on fait exploser quelque chose, je ne peux pas prédire où est-ce qu'elle va cette partie, où est-ce qu'elle va cette partie. Mais simplement, de cette histoire, quand ça explose, on sait que le super va dans ce... On sait que la Terre va là, on sait, et ils sont dans la même, euh, éventuellement avec ce moment génétique dans un plan et ainsi de suite. Alors, euh, donc, il y, y a plusieurs choses dans ce que vous avez dit. La première, c'est, vous dites le scientifique, et puis le. En réalité, j'ai pas les nombres, mais euh, il existe peut-être autant, peut-être moins, ça dépend des, des cultures aussi, de scientifiques croyants et de scientifiques non croyants. Donc la première chose, c'est que je sais que j'ai des collègues. Qui disent, la science a depuis longtemps montré que Dieu n'existait pas, etc. Moi, j'avais fait un documentaire où j'étais rencontré des chamans en en, en, au Chili, euh, donc euh, des Indiens des Andes, parce que c'est là où on met les plus grands télescopes du monde et pour qu'on ait un dialogue avec eux. Et, euh, et, et, et ils ont parlé avec leur langage à eux, leur croyance à eux. Et j'ai un collègue qui est venu me voir et qui m'a dit, j'ai pas du tout aimé ton film. Alors je lui ai dit, ah bon, pourquoi Il me dit, parce qu'à aucun moment tu n'expliques que depuis longtemps on a démontré que Dieu n'existait pas, que leur croyance, etc. Et alors, moi, je, je l'ai regardé, je lui ai dit tu, tu me rassures, parce que quand tu m'as dit que tu n'avais pas aimé mon film, j'ai cru que ça allait être pour une bonne raison. Euh, donc, en fait, la science, si vous regardez la science, il euh, n'y a aucune. Elle a aucun moyen de répondre à la question Dieu existe-t-il ou pas Aujourd'hui, elle n'a pas ce moyen. Peut-être que demain, elle l'aura. Mais... Donc, celui qui dit, euh, dans un sens comme dans l'autre, je démontre que. Voilà. Après, euh, 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 moi je revendique une, une schizophrénie positive. Alors qu'est-ce que ça veut dire Je sais que c'est un peu... C'est la chose suivante, c'est que si je regarde le monde avec l'œil gauche, je le vois en deux dimensions. Si je regarde le monde avec l'œil droit, je vois le monde en deux dimensions. Mais si j'accepte ces deux regards différents, mais séparés, émerge une troisième dimension que je ne pouvais pas connaître avec l'un ou l'autre. Donc le dialogue entre deux regards sur le monde, qu'ils soient religieux, scientifiques, qu'ils soient art, science, qu'ils soient ce que vous voulez, pour moi, le dialogue entre deux regards qui peuvent paraître incompatibles, mais qui sont différents, acceptés avec leur logique, etc., mais pas, la pas le syncrétisme, parce que si vous mettez les deux yeux au milieu du, du nez, vous n'avez plus ça. C'est l'acceptation de l'un et l'autre dans sa logique fait émerger autre chose. Et cette autre chose-là n'est pas contenue. Ni dans l'un ni dans l'autre. Donc je ne crois pas que la science résume le monde, de la même manière que chacun de nous pense de manière euh, un peu scientifique, un peu pas scientifique, et d'autre part, même dans la religion, il y a une logique. Il y a des raisonnements logiques, etc. Donc ce n'est même pas seulement la science qui est logique. Donc la science, c'est un certain langage, un certain discours qui est utile et pratique et qui, que tout le monde peut adopter. On prend un vélo. Et quand quelqu'un prend un vélo, il n'a pas besoin de dire s'il est de telle ou telle religion. Il prend un vélo. Bon bah, La science, ça nous permet de nous déplacer sur la Terre. Mais quand vous arrivez près de la plage et qu'il faut aller sur une île, et ben avec votre vélo, vous n'irez pas loin. Il faut une barque. Et la barque, c'est autre chose. Et donc, c'est un autre domaine. Et donc, moi, ce pas parce que je vous parle des roues du vélo, de, de la façon dont il faut pédaler, que si vous pédalez à une certaine vitesse, vous tombez, et qu'on a tout fait les calculs sur le vélo, que je vais vous, pouvoir vous expliquer quelque chose sur les fonds marins, ou etc. Merci. Je tiens à vous remercier. Monsieur. Merci. Merci à vous, M. Levez, pour cette conférence. Ça a été extraordinaire. Ça m'a éclairé euh, mes pensées, ça a éclairé un Merci. peu mes pensées. Euh, vous savez, j'ai envie de, de, de vous présenter une expérience qui approuve ce que vous avez dit tout à l'heure. Ce que Albert Einstein, lorsqu'elle a fait l'équation, n'a pas pu voir euh, la solution parce qu'à l'intérieur de lui, il n'y avait pas de solution. Moi, j'ai... mon neveu, c'est un envoyant, c'est un aveugle. Et imaginez, lorsqu'il était enfant, à chaque fois, il me pose des questions sur l'univers. Bien sûr, j'ai essayé de lui expliquer par différents trucs, des ballons, etc. Que ça, c'est la Terre, ça, c'est le Soleil. Mais imaginez, pendant 4 ans, des recherches personnelles. J'ai réussi à inventer un appareil, bien sûr, il a été projeté en 2015, qui lui permet tout seul de, bien sûr, calculer les déplacements du de soleil depuis la matinée jusqu'à la soirée. Et bien sûr, ça m'a permis d'ouvrir cette porte pour les aveugles, parce que je me sens comme, je représente cette catégorie de personnes, bien sûr. Ce sont des non-voyants, mais jusqu'à aujourd'hui, personne n'a essayé de faciliter cette science-là à ces aveugles-là. Et j'ai réussi grâce à cet appareil, comme je vous le dis, je l'ai enregistré en 2015. Elle a été breveté dernièrement, c c est, ça y deux semaines. Ça permet aux aveugles d'étudier les déplacements apparents du Soleil par rapport à la Terre. Ça a été une extraordinaire pour moi. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette conférence. Bravo. La science n'est-elle qu'une parole euh, Donc, la science, euh, pour moi, n'est pas qu'une parole, parce que quelque part, euh, on peut toujours créer un raisonnement logique qui serait comme un anneau, et on peut jeter des anneaux un peu partout. Mais la science, c'est un anneau qui est, qui est ancré dans la réalité, c'est-à-dire qu'il il, 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 il a toujours comme objectif hein, d'être, alors, ce que j'appelle la réalité, c'est-à-dire les faits observables, et d'être logique et de tester. Et donc. Quand un scientifique vous dit une chose, par exemple moi là aujourd'hui j'ai dit des choses, ça a été filmé. Eh bien si un autre scientifique m'écoute, il peut il peut dire dis donc as dit ça, moi je prouve le contraire et il peut démontrer que c'est faux. Nous quand on est en conférence scientifique, on a un amphithéâtre avec un certain nombre de personnes et j'ai vu un scientifique venir en disant voilà moi je pense que c'est comme ça et je vous demande c'est comme ça. Et puis un il qui dit il lève le doigt il dit je peux parler Oui c'est faux. Pourquoi Parce que et là il lui explique. Et il le démontre. Donc on, on, en science, on ne s'en sort pas comme ça. On ne peut pas simplement donner une parole et dire faites-moi confiance par argument d'autorité. L'argument d'autorité ne fonctionne pas. Un jeune étudiant qui est en première année de thèse peut complètement déconstruire la théorie d'un grand professeur qui a 30 ans de carrière et qui est reconnu avec des prix partout. Euh, c'est ça la beauté de la science. C'est-à-dire que c'est au-delà des cultures, toutes les cultures se parlent, et tout le monde se parle en commun, et on, on est tous capable de se, de, de se dire oui ou non, on, quel que soit l'homme, femme, vieux, jeune, etc. c'est pas n'importe quelle parole, c'est une parole qui permet à l'humanité de construire ensemble avec un discours qui s'appuie essentiellement bien sûr sur la logique mathématique et sur l'expérience. on fait des prédictions, on les teste, on fait des observatoires, on fait des compétitions, c'est très très dur, c'est très très dur, la compétition est très très dure. Et donc, c'est pas n'importe quel langage. Parce que si on le mettait en parallèle avec quelqu'un qui tout seul dit Moi je pense comme ça, eh bien, euh, ça n'a pas la même valeur, parce que ça ne s'appuie pas sur tout ça. Et donc, euh, c'est un trésor, la science, mais bien sûr, ce n'est pas pour autant qu'il faut réduire.